Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les gens d'en haut là, ou c'est même quoi qui tire souvent en haut là-haut. Ils veulent que je prenne avec mon pilon, je viens doser en haut là. Oh, quoi ça? Bonsoir, on partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs. Merci de partager, merci d'envoyer les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Je suis en train de partager, hein. Je partage aussi. Désolée hein, si j'ai mis les lunettes, j'ai mis les lunettes parce que j'ai très mal aux yeux depuis quelques jours là. J'ai très très mal aux yeux, j'ai les yeux qui grattent, donc j'ai toujours envie de ça démange, j'ai toujours envie de gratter en fait. Et du coup ça me fait très très mal. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes parce que mes yeux sont enflés et puis c'est tout rouge. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes, hein. J'ai pas mis ça pour le Nyanga. Voilà, donc j'ai mis ça parce que j'ai mal aux yeux. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis. Ça me fait très mal. Depuis 2 jours, j'arrête pas de. J'ai fait une allergie en fait. Parce que j'ai même ici, j'ai des petits boutons qui me sortent là. Et les yeux, ça doit être une allergie que je fais. Donc, désolé, vous n'allez pas voir mes yeux aujourd'hui, mais c'est pas grave. D'accord? L'essentiel est qu'on fasse le direct, un beau direct. Et puis, s'il faut clôturer cette histoire, on clôture ce soir. Si ça doit continuer, ça va continuer, mais j'espère que ça va être clôturé ce soir. J'espère. C'est mon souhait. Mais je veux établir la vérité. Non, c'est ça mon problème. Je veux établir la vérité. C'est pour ça que je tenais à faire ce live. Parce qu'on a été interrompu par rapport à au deuil de notre compatriote, notre sœur Lolita la Baronne. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Vous partagez, vous envoyez les cœurs. C'est ce que je suis en train de faire aussi. Je partage et j'envoie les cœurs avant de planter le décor, en fait. Parce qu'on ne va pas être... Je ne veux pas vous étaler longtemps. Surtout qu'il y a des personnes qui ont des choses à faire. Donc, je partage déjà d'abord, moi aussi. Et puis, je vais planter le décor et on va passer directement à l'acte. Hein. On ne perd pas le temps. On est là pour éclaircir les choses. Parce que, vous savez que moi, je n'aime pas quand on traite on me traite de menteuse. J'aime pas. J'aime pas quand on dit que j'ai inventé. Je n'invente rien. Moi, je parle avec des faits. C'est très important. Voilà, on a quand même déjà atteint. Je vous laisse encore un peu partager. Oui, non, ça me... J'ai seulement envie de faire comme ça. Et c'est très bon quand je gratte, en fait. Donc, on partage, on envoie les cœurs pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter. S'il vous plaît, partagez et envoyez les cœurs. C'est très important. S'il vous plaît. C'est très, très important de partager et d'envoyer les cœurs. Partager et envoyer les cœurs, c'est très très important. Pardon. Merci de partager, d'envoyer les cœurs. C'est très très important. Ça pique, ça me démange. Si les êtres à connoter ici, ma fille, si tu étais là, tu me pompais un peu le lait de ma petite fille dans les yeux là. On dit que ça soigne les yeux, non. Tu me pompais ça là-dedans. Tu fais déjà une heureuse année. Bonne année à ma notre bébé compresseur de la TKC. Tu lui souhaites une bonne année. Bon, on va plus tarder. Hein. On va aller droit au but. Déjà, je vais faire... je vais saluer déjà tout le monde. Hein, à ma façon, comme d'habitude. Et je demande à tout le monde d'abord déjà, s'il vous plaît... 1 minute de silence pour notre beau frère
le mari de Lolita que nous avons perdu. Une minute de silence, s'il vous plaît. Amen. Alors, je ne veux pas commencer ce direct sans déjà d'abord souhaiter les condoléances à Lolita, la baronne. C'est vrai que nous sommes en joie, elle est là en larmes. Tout ce que je vais te dire, ma soeur, il n'y a rien qu'on puisse dire qui peut te reconforter. C'est comme on dit souvent chez nous, Asia. Et sois forte. Nous sommes avec toi. Et nous serons toujours avec toi. Que le Seigneur te donne la force. Tu es une femme de poigne. J'ose croire. Moi, je n'aime pas parler, chose que je ne connais pas. Mais j'ose croire qu'il a été malade. Et que il a souffert un moment. Il allait se reposer. Il avance. C'est le chemin de tout un chacun. Alors, je te souhaite comme ça toutes les condoléances du fond du cœur, de la part de la TKC et mes sympathisants. Mes sincères condoléances. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, informe-moi. Si tu organises quelque chose pour ce deuil, informe-moi. Ça me ferait un plaisir de t'assister. Alors, Asia encore, comme on dit chez nous, Asia maman, Asia, Asia. Mais la vie ne s'arrête pas là, hein. Continue tes combats, si tu as des combats, continue, tu es une femme forte, d'accord? Voilà, donc je souhaite comme ça encore une bonne année à toute ma TKC, sympathisant. Bonne année à toutes ces personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Que le Seigneur vous accorde toutes ses grâces. Bonne année à mes nièces, les abeilles qui m'aiment. Ceux-là même qui me montrent de l'amour. Ceux-là même qui me prouvent qu'ils sont avec moi. Ceux-là qui ont toujours été pour la paix. Que le Seigneur vous accorde toutes ses grâces en cette nouvelle année 2024 qui est en train de commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Ma TKC, j'ai envie de vous dire, je ne suis rien sans vous. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. Je sais, je ne suis pas parfaite. Hein. Je ne suis pas parfaite, je ne marche pas toujours comme vous voulez, oui. Mais je suis une femme qui a ce qu'on appelle, comme vous-même vous dites souvent, maman Perpétua, ce qu'on appelle la poigne. Je suis une petite femme qui connaît sa valeur. Je suis une petite femme qui ne perd pas les honneurs, ses honneurs. Je sais me battre. Et je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. D'autres vont dire, ah, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle n'était pas à l'école, elle n'a pas fait des études. Non. Il y a des personnes ici qui ont fait des études. Ils sont quoi? Ils ne sont rien. Il y a des personnes ici qui ont fait des études, qu'on voit ici, là même, en Europe. Elles sont quoi? Les études, elles ont amené où? Nulle part. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai mon mot magique, comme je vous ai toujours dit. Je n'ai rien d'autre à vous donner. Si j'étais une femme riche, milliardaire, je n'aurais pas besoin de vos aides. Je n'allais pas subir tous ces injures que je subis, de mendiante, de moins que rien qu'on me donne sur la toile. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle le mendiante, la mendicité, aujourd'hui ce n'est plus une injure parce qu'il n'y a pas une personne sur la toile qui n'est pas mendiante, qui ne mendie pas. Donc je vous dis encore une fois de plus, merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils aussi. Hein. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Ma fille Nicole, tu sais ce que je sais. Tu sais ce que je pense de toi, ma fille.
Je ne peux pas m'agripper seulement sur toi parce que j'ai beaucoup d'enfants. Tu as tes grandes sœurs qui sont là depuis des années avec moi, qui se sont toujours battues auprès de moi. J'ai envie de vous dire, je ne pourrai jamais vous laisser tomber. Je suis avec vous si vous êtes avec moi. Alors, il y a un problème qui se pose en ce moment sur la toile. Je tiens à préciser déjà d'abord, l'année 2024 qui est arrivée là. 2024, mon nom a changé. Désormais, écoutez très bien ce nom-là, mémorisez ce nom. La personne qui va encore m'appeler les autres noms, je me fâche. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Compressor Diamant Bleu. Compressor Diamant Bleu, le diamant le plus vendu dans le monde. C'est une de mes grandes sœurs qui m'a baptisée. Elle a dit à partir d'aujourd'hui, elle m'a baptisée le 1er décembre. Le 1er janvier, pardon. Elle a dit qu'à partir de maintenant, tu t'appelles Compresseur Diamant Bleu. Elle m'a dit, va demander à ta TKC ce que c'est que le diamant bleu qu'ils allaient taper sur Google. Malili ne rit pas mes choses. Malili écrit là que Compresseur Diamant Bleu, c'est mon nom maintenant. Compresseur Diamant Bleu. Le diamant le plus vendu dans le monde. Le plus cher dans le monde, Maliba. Le diamant le plus cher dans le monde. Donc, allez taper pendant qu'on parle là sur Google. Je suis le diamant le plus cher dans le monde, voilà. Diamant bleu, c'est bien ma fille. Compresseur diamant bleu. Précisez ça. Je suis aujourd'hui la compresseur diamant bleu, le diamant le plus cher dans le monde. C'est Maliba. C'est moi le diamant. Maintenant, si vous ne pouvez pas dire compresseur, vous dites diamant bleu. On saura que c'est de moi qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a eu une histoire qui se posait sur la toile qui concerne le grand-père de l'abbé Samé. Samé qui est mon neveu. Le grand-père de l'abbé Samé qui est mon grand frère. Qui a ordonné à nos frères du Maroc de donner une correction au petit Samet et prendre ses téléphones. Il y a des personnes qui disaient c'est vrai, il y a des personnes qui disaient c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont intervenu même dans le direct du grand frère. Où on a dit que j'étais une haineuse. Et je tiens à vous rappeler que ça n'a pas changé. Bonne année à toi, mon frère Amin Kamé. Bonne année à ma première fille, Michelle Sumba. L'enfant que j'ai accouché, qui est sorti avec les pieds. Jusqu'à... On était obligé de me faire accoucher par césarienne. J'ai sa cicatrice sur mon ventre. La personne qui doute, je montre. Bonne année à vous. Bonne année à ma belle-sœur, la femme de mon frère, Amer Kamer, Oshiga. Bonne année à toi, ma fille. Après le direct, c'est Amer Kamer, il faut que tu m'appelles. On doit avoir une réunion. Je suis fâché. Vraiment. Je suis fâché, grave. En tout cas, le problème n'aime pas vous. Et pourquoi vous vous êtes surpris que je souhaite bonne année à Oshiga? Où est-ce que vous envoyez y a les têtes Jaou? Pourquoi vous êtes surpris? Vous envoyez encore ça. Oh. C'est la femme de mon frère, non, maman? C'est la femme de mon frère, il fait comment? Il me dit qu'on part à gauche, je pars à gauche. Il me dit qu'on part à droite, je pars seulement. Celui-là, il va m'amener partout, je pars. Mais boya, je fais comment? Bonne année à ma belle-sœur. Donc, cette situation,
Michel, ma milliardaire, ne rit pas. Ton père, là, j'ai dit qu'on doit faire une réunion tout à l'heure, après mon direct. Il a appelé, il n'a pas pris. Tu ris quoi? Je suis le diamant bleu. C'est ça. Le diamant bleu. Vous avez tapé, vous avez vu la valeur, non? Le diamant le plus vendu, le plus cher dans le monde. C'est Maléba. C'est bravo. mes enfants, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Donc, il y a une situation qui se pose. Sois un peu sérieux. Attendez, je mouille un peu ma bouche avec de l'eau. Il y a une situation qui est là. On ne doit pas balayer ça comme ça, comme si de rien n'était. On doit battre le fer quand il est chaud. On a laissé les fêtes passer. On s'est calmé parce qu'il faut être un peu compréhensible et solidaire en disant, en sachant, ah, ma fille, ma belle-sœur. Non, il faut mettre. Ton mari ne t'a pas dit que je m'appelle maintenant le diamant bleu. Mets diamant bleu. Dis que compresseur diamant bleu. C'est comment que tu dois saluer ta belle-mère. Je suis ta belle-mère, je ne suis pas ta belle-sœur, je suis ta belle-mère. D'abord. Donc, cette situation qui est en train de se passer est en train de mettre un enfant en désaccord avec certaines personnes. J'ai signé mon contrat avec la société Guta Live, qui est ma boss lady, que je fais un gros bisou, qui m'a voulu me donner une chance de travailler avec elle, que j'ai bien accepté. Et c'est un honneur et un plaisir de travailler avec elle. Je suis très contente de travailler avec elle parce que c'est une belle personne. Il faut être avec elle pour savoir qui elle est. Ne vous fiez pas souvent aux réseaux sociaux. C'est une belle personne. Alors, je pense que là, elle vous a éclairci dessus comment on a fait pour signer notre contrat. Je n'ai plus à revenir dessus. Il y a un problème de jalousie qui s'installe. Et je tiens à rappeler, l'année 2024, je n'achèterai plus jamais les problèmes de quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes ici que j'ai offensées sans le vouloir parce que j'ai acheté les problèmes des gens. Et c'est fini ça. Moi, je n'achèterai plus jamais les problèmes de quelqu'un. Plus jamais. Je n'irai plus faire des problèmes avec des gens par affinité. Si il y a un sujet sur la toile, je donne mon point de vue. Je ne viendrai pas parce que j'ai d'affinité avec tel X ou Y. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Je n'achèterai plus les problèmes des gens. C'est fini, c'est bon. Donc, ce problème-ci de sa main, il y a un monsieur qui est intervenu dans le direct du grand frère en disant que c'est Samé qui a demandé enfin en sorte que on puisse accuser Niak Barano et notre sœur Lolita la baronne. J'aime du mal à prononcer son nom parce que là, elle est dans le malheur. Mais je suis obligé un tout petit peu. Alors, le monsieur qui a intervenu dans le direct du grand frère la dernière fois, quand vous a dit qu'il avait menti sur toute la ligne, vous avez dit toujours niette, parce que vous êtes dans le aide-moi à détester. Et nous, on veut éclaircir cette affaire blanche, c'est-à-dire parler vraiment de cette histoire et qu'on en finisse, s'il faut en finir. Le diète que j'ai convenu aujourd'hui là, c'est pour faire passer les personnes qui ont intervenu dans le direct du grand frère, où il va venir démentir ou donner sa version des faits. Pourquoi le nom de Lolita et Niak Barano, leur nom a été cité de l'autre côté? Alors qu'il y a des personnes qui ont témoigné dans mon live en disant que avec toutes les preuves qu'on avait, que le grand frère les a contactés afin qu'ils donnent une correction
au petit Samé et de récupérer ses téléphones. Ça, c'est très grave. Même si vous ne voulez pas accepter, c'est un problème qui est très grave. Parce qu'en partant donner une correction à Samé, Samé voulant se défendre, on ne sait pas d'où ça pouvait aller. Donc, moi, Maléba perpétue, je vais ne pas perdre le temps. Je n'ai pas envie de trop perdre, de vous perdre tout le temps. Je ne veux pas vous perdre tout le temps, déjà j'ai mal aux yeux. Donc, je vais appeler les concernés. Ils vont s'exprimer et vous allez entendre. Comme ça, après, si vous avez des questions à poser, vous posez vos questions parce que moi, je les ai eues, ils ont des choses à faire. Ils n'ont pas que ça à faire. Comme nous, parfois, on reste sur les réseaux sociaux, on n'a plus envie de quitter. Ils n'ont pas que ça à faire. Donc, on va aller droit au but. Parce que moi, je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas le mensonge. Je déteste le mensonge. Quand je viens avec un sujet, je n'ai pas besoin d'appeler de gauche à droite. Moi-même, j'ai du répondant. D'abord, j'ai du répondant. Même les nyama qui me manquent de respect, là, je peux m'asseoir sur une, je t'atomise, je recule. Je ne te calcule plus. Je t'allume, je recule. Mais j'ai ma nourriture sur la toile que vous connaissez. C'est les carteuses internationales. C'est ma nourriture là-bas qu'ils mangent quand je veux. Donc, on va plus tarder. Je vais appeler le grand frère. Parce que je ne sais pas si lui, il est mon grand frère ou moi, je suis sa grande sœur. Mais quand j'entends la voix, c'est... Je vais demander si je peux appeler en vidéo. S'il veut que j'appelle en vidéo, j'appelle en vidéo. Allô? Allô? Bonsoir. Baisse le téléphone où on suit le direct là-bas. Il faut baisser un peu, s'il te plaît. Oui, tu peux baisser l'autre téléphone, s'il te plaît. Merci. Rebonsoir. Ouais, merci, bonsoir. Mm-hmm. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Bon, merci. Je suis en direct. Il y a 2106 personnes qui nous écoutent. Par rapport au problème de Samé, là-bas au Maroc, je me permets de te laisser la parole, que tu te présentes toi-même et tu nous expliques la situation. Je ne sais pas si tu es avec celui qui est passé dans le direct du grand frère. Allô? Allô? Je peux parler ou quoi? Oui. Ouais, déjà, moi, je suis le grand frère de sa mère. Je me nomme Léon, mais je suis le général d'une communauté camerounaise ici au Maroc. Et du coup, il y a un problème qui se cuit sur la toile, ça fait un bon bout de temps. Et moi, je n'avais pas trop la tête à ça, tu vois, un peu, parce que là, il y a madame qui a fait une pause couche et je m'occupais plus d'elle. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est parce que je recevais les appels venant de part et d'autre, que ce soit au Cameroun, en Europe et puis au Maroc, même si plus je suis. D'accord. Et donc, ce que je veux faire comprendre à tes internautes, c'est que déjà sa mère, à la base, c'est mon petit début au Cameroun. Et s'il faut le dire, je crois que dans le Maroc, je suis la seule personne qui connaît sa mère. Personne qui ne connaît sa mère dans le Maroc. Samé, lui, moi, j'ai déplu au Cameroun, c'est mon petit frère. Parce que la maman de Samé, moi, c'est fréquenté. Mais par contre, petit qui est venu intervenir dans le direct, c'est aussi un petit que je connais déplu au Cameroun. D'accord. Il faut qu'on se comprenne. C'est un petit que moi, je connais déplu au Cameroun. Et moi, en tant que grand frère, en tant que le grand frère que je suis, je crois que c'est qu'il y a un problème que je me dois
J'ai le devoir, en fait, de venir rétablir la vérité sur le fond. Mm-hmm. Voilà. Parce que j'ai écouté un des directs de... comment on appelle déjà le monsieur en question. Monsieur, hein, c'est qui? C'est monsieur qui a... Messan. Monsieur Messan, voilà. Monsieur Messan. J'ai écouté le direct où le PC en question est monté sur le direct. Où il parlait, genre, il était avec l'abbé sa mère. Et puis l'abbé sa mère les a demandé, dit que lui était à la baronne et puis la barano. Oui. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais lui a dit ça. Par contre, à la base, le petit en question n'a jamais vu sa mère avec les yeux, premièrement. Mm-hmm. Il n'a jamais vu sa mère avec les yeux. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Maroc. Mais par contre, il ne voit que sa mère sur ses directs. D'accord. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il ne voit que sa mère sur ses directs. Moi-même qui te parle particulièrement, moi-même en tant que le grand frère de sa mère, depuis que sa mère est dans le Maroc, on ne s'est jamais vu avec les yeux. Mm-hmm. On cause juste au téléphone. On prend les nouvelles de l'un et l'autre. Mm-hmm. Ah. Et si par contre sa mère au Maroc, sa mère au Maroc pour un but précis. Mm-hmm. Il est beaucoup dans le sas. Sa mère au Maroc pour un but précis. Mm-hmm. Il n'est pas peut-être, il n'est pas le Maroc peut-être par rapport à certaines personnes, comme vous connaissez la chose. Mm-hmm. Il est là pour un but. Moi je suis étonné que le petit est monté dans le live de M. Messan et mm-hmm. dit. Que c'est ça, mais qui leur a dit que de à la baronne et puis il y a Barano, en fait, ils ont fait ça. Je suis désolé, mm-hmm. sincèrement. Je suis désolé. Parce que moi, je crois que logiquement, si quelqu'un dit qu'il est ton père, je crois que s'il y a un problème, il est censé entrer dans ton idée. Si tu ne vas pas sortir, admettre ta caméra et te lever, et très peu ton petit-fils, il mange. Là, je suis désolé. Parce que généralement, nous avons appris que le linge, ça, c'est l'âme en famille. Parce que quand tu viens exposer ton fils comme ça, vous demandez. Mm-hmm. C'est par rapport à quoi? Logiquement, quand lui-même il regarde sa mère là dit qu'il a un problème de nutrition ou un problème du versement ou un problème, je ne sais pas quoi. Il est même un enfant qui souffre. Hein? Tu as contacté le petit par rapport à un service qu'il devait te rendre. Alors aujourd'hui, le petit te dit que le service qu'il doit te rendre doit être payé. Ou le rapport avec l'histoire des Juifs, des sorciers, dit qu'il est mangeable. Sans quel rapport. Bon, excuse-moi, le petit qui est passé dans son direct là, lui il a dit qu'il a fait ça, pourquoi? Non. Le petit en question, parce que quand moi j'ai appelé le petit, j'ai posé la question au petit de savoir pourquoi il est venu raconter une telle chose comme celui-là. Le petit lui m'a dit, c'était juste pour embrouiller. Le problème qui était là sur la table, parce que son vieux était déprimé. Son vieux le faisait pitié. Mm-hmm. Donc c'est pourquoi il venait pour appuyer le débat qui était sur la table. Ok. Oh, par contre, le Jikemi ne connaît pas sa vie, n'a jamais vu ça. Ok. Je suis la seule personne qui connaît les deux. Que ce soit celui qui est rentré dans le direct, que ce soit sa vie. Personne au Maroc ne les connaît, personne, que ce soit personne au Maroc ne connaît ça, mais pas moi. Mm. Et ce que moi je vais ajouter, quoique même quand ça me fait, c'est quand même quand ça me fait, avec l'habitude de faire, c'est j'ai mon grand frère qui est au Maroc. Oui. J'ai mon grand frère qui est au Maroc. Si. Parce que sa mère, lui, il connaît pas, moi je suis capable. Donc c'est quand même, il se met à certains problèmes, même que d'autres personnes ont du mal à m'appeler, parce qu'ils connaissent ma réaction. Mais je crois qu'à un moment donné, quand on se dit leader, je crois qu'on est censé montrer le bon exemple à ceux qu'on encadre. Parce que moi, je ne suis pas l'encadre que j'ai dans une communauté. Je gère les centaines, de Camerounais. Hein? Mais à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Quand tu dis que tu es un leader, tu ne vas pas offenser. Ton neveu, soit ton petit frère, et tu attends que celui qui ne vient pas te demander des excuses. Je suis désolé. Hein? Parce que dans les normes, c'est lui qui était censé arrêter cette histoire-là, détruite. Hein? Il est tranquille dans son coin, il joue à l'orgueil et tout et tout. Tout ça, ça sert à quoi? Hein? Au point d'envoyer l'argent au Maroc pour que on donne une correction à sa maman, prenne ses téléphones.
nous nous a décortiqué, nous a prouvé par A plus B que c'est le seul instant qui envoie l'argent au Maroc. L'argent que lui l'envoie au Maroc, c'est un argent par rapport à quoi? Comment ça coïncide que c'est le jour où il fait sa sortie que l'argent arrive au Maroc? Et puis il a fait sa sortie, il a fait sa sortie parce que le 23 décembre, si il y a bonne mémoire. Oui. Voilà. Et c'est le même jour où il envoie l'argent au Maroc. Quelle coïncidence. Pourquoi ne pas te lever et allumer ta caméra, dire à tes internautes que je suis désolé, oui c'est vrai. Ça y est, mon petit fils est sûr sur moi, on avance. Mais tu veux toujours démentir. Donc ceux qui sont à tes sont à démentir. Donc ça veut dire que c'est toi qui dis, c'est toi qui as raison. Et ceux qui viennent démentir sont ceux qui ont tort. Ça veut dire comprendre. Pourquoi ne pas être honnête avec toi-même? Et tu es en train de vouloir manipuler les gens, pourquoi? Et pour avantage à quoi? Tout le temps, tu es dans les ibes, des gens au Maroc, c'est quoi? Tu n'as rien de l'autre. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Tu as néo, occupe ta famille, fais ce que tu as fait. Arrête d'entrer dans les ibes des gens au Maroc. Entre les ibes des gens au Maroc. Quand tu te dis blogueur, ça veut dire que tu dois être fair play. Parce que ça tient à balle réelle, comme ça tient avec la personne. Il faut être fair play quand tu te dis blogueur. Ça tient à balle réelle. Mais si tu n'es pas fair play, mieux désactive toi, les réseaux carrément. Tu laisses ceux qui peuvent encaisser. Commencer. Tu vas te lever, tu dis, attends, non, monsieur, quoi, les autres sont sales. Le couple, mais ça ne sent pas le Mbunga, tout ça, c'est quoi ça? Donc c'est nous autres qui sentons le Mbunga. Oui, parce que vous vivez au Maroc, vous sentez le Mbunga. C'est ce qu'il dit. Mais quand même. Et ce petit, moi je l'ai dit, tu vas venir demander tout ce qui est ici dans le tirage de monsieur Messam. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que même le petit, il m'a autorisé à donner même son numéro pour monter sur un direct. Pour aider demander, c'est là. Parce que moi, je l'ai dit, je suis fatigué. Tout le temps, il faut que mon téléphone soit au camion, il faut qu'on m'appelle à gauche à droite. C'est mon petit, l'autre c'est mon petit. Je ne suis pas là pour traverser le sang de quelqu'un, mais je viens d'établir la vérité. Il faut que la vérité soit établie. Il faut que le petit, attends, il y a un mec à qui monte là aussi. Il faut que le petit vienne vraiment demander. Dans le mec Kamé. Allô. On peut même le petit passe dans le direct. Amel Kamé lance un live, le petit vient démentir là-bas chez Amel Kamé. Moi, j'ai une question à lui poser. Est-ce que le gars qui a reçu une partie d'argent qui a appelé sa mère, est-ce que tu es en contact avec lui? Non, écoute, Amel Kamé. Oui. Bonsoir d'abord. Bonsoir, frère. Ok, déjà, le premier transfert d'argent qui est arrivé, que M. Nessama a envoyé, ça n'a aucun rapport avec ce petit qui est monté dans son direct. Non, je parle du transfert des 100 euros qu'il a envoyé le 23 décembre. Ça n'a aucun rapport avec le petit qui est monté dans le live. Non, je ne parle pas encore. Non, je suis venu sur le petit qui est monté dans le live. Ah, tu demandes s'il connaît, les gens qu'on a envoyé les 100 euros le 23. Oui. Ah oui. Il demande si tu connais les personnes à qui on a envoyé l'argent le 23 décembre. Est-ce que tu les connais, ces gens-là? C'est ce qu'il demande. Non. Eux, ils sont à Rabat. Nous sommes pas là. Eux, ils sont à Rabat. D'accord. Ils sont pas là, à Mainville. Ok, d'accord. Si je veux connaître, je vais connaître. Bon. Nous ne sommes pas là, à Mainville. Bon, il dit qu'il ne les connaît pas, mais s'il veut les connaître, il peut les connaître. Ok. D'accord. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la relation qu'il y a entre Fadiga et Messang? Parce qu'il a dit que c'est le grand. Tu connais le gars là depuis le Cameroun? Ou bien c'est comment? Parce que je trouve bizarre qu'on réveille. Parce que tout le monde sait qu'on l'appelle Fadiga. Je trouve bizarre qu'on l'appelle à 1h tardive. Il était 1h du matin qu'on l'appelait. Parce qu'il essayait un peu de voir au moment où Compressor a fini son live. Il était presque 1h du matin. Maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle à cette heure-là exactement? Est-ce qu'il connaissait déjà, parce qu'on nous a fait comprendre qu'il connaissait déjà le grand frère avant. Est-ce qu'il n'avait pas été appelé avant pour gérer cette opération? Ou bien est-ce que dans l'affaire de Messang, il y a deux commandos comme dans l'affaire de Martinez Ogo? Amen, Kamer.
La relation entre Fadiga et l'abbé Samer. Oui. Aucun, Non, il n'y a un de aucun Fadiga et rapport. Messang. Parce que Un de vous Fadiga et Messang. allez. Non, non, non. Il ne dit pas avec, avec Abbé Samé, il dit avec Messang. Fils et Avec Fadiga Messang. et oui. Ce que j'ai demandé à Fadiga, Fadiga lui m'a fait comprendre que lui, c'est son Dieu, il le voit aussi à travers les réseaux, Les réseaux. c'est direct et tout. Et c'est son père Bassa, tu vois, son père Bassa, d'après ce qu'il m'a dit. Mais dis peut-être qu'ils se connaissent auparavant. Non, ils ne se connaissent pas auparavant. Mais je ne sais pas si Fadiga, si Fadiga, à un moment donné, s'est rendu compte du danger qu'était cette affaire. Parce que beaucoup de gens négligent cette affaire. Dans la pétition que j'ai mise en route, c'est à sa tentative d'assassinat, séquestration et kidnapping. Donc, venir dédouaner quelqu'un sans les preuves, il se met lui-même Dans, en danger. en danger. Lui-même, il se met en danger. La pétition, elle est en ligne. Donc, ce que nous demandons à Fadiga, pourquoi il a fait et il dément. Parce que le problème, c'est que les gens sont en train de poser la question actuellement qu'il faut que tu viennes en vidéo pour avoir aussi la crédibilité. Para. Les gens sont en train de demander que pourquoi Compresor ne t'a pas appelé aussi en vidéo. Pas lui. C'est pas lui qu'on doit appeler en Non, vidéo, c'est tu pas lui. Fadila. Oui, pas lui. Je pose seulement la question parce Oui. que j'en ai lu ce que les gens sont en train de Oui, c'est dire. Mais, Fadila qu'on doit appeler en vidéo pour ouais, savoir que mais c'est pour lui qui la est venu clarté de tout le démentir. monde, il fallait appeler Mais, Fadiga, même si c'était. avec Oui. ta mère, désolé de Hein? te couper, avec ta mère. Déjà, Fadiga n'a aucun problème. OK. Fadiga lui n'a aucun problème de monter sur un direct, que ce soit en vidéo. Je crois que vous tous avez vu sa vidéo dans le direct de la BMT de Sam. Oui. Lui, c'est ça, capable de remonter en vidéo parce que vous allez reconnaître la même personne. Exact. Et vous voulez pas remettre le même vêtement qu'il avait ce jour-là. Est-ce qu'on est d'accord? On est Oui. d'accord. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête quelque chose. Hein? Et c'est pourquoi je vous ai dit, si vous voulez, je vais vous envoyer son numéro bien après. Vous allez entrer dans son idée. D'accord. Oui. Mais est-ce Parce qu'il que... faudrait qu'il vienne démarrer cette histoire-là. Enfin, ça devient de trop. Oui. Ce que je dis, c'est que c'est l'abbé qui ment. C'est le Sam qui a raison. Il faudrait que ça s'arrête. Donc, est-ce que tu peux causer donc avec Padilla maintenant là et puis tu me donnes le numéro, je l'appelle là en direct, comme nous sommes en direct. Là, je savais dire que je vais devoir parce que là, je suis moi-même en plein direct et je coche mon deuxième téléphone. Ah, Là, ça veut dire d'accord. que je vais d'abord couper l'appel Coupé. et puis je t'envoie son numéro IB. Je t'envoie son D'accord. numéro IB. D'accord. Et Donc, puis je pourrai faire ça, tu me parle donneras ça, avec c'est là lui il s'en déjà. Parle avec lui et tu me laisses un voice si je peux l'appeler en vidéo. D'accord. Merci. Je vais l'écrire. Alors, au fur et à mesure que je parle avec toi, je peux l'écrire, ça ne dérange pas. Ah, voilà, d'accord. Comme ça, moi, je l'appelle en live maintenant, là, en vidéo. Parce que tu vois ce que je disais. Les gens vont nous prendre comme si on va croire que nous racontons n'importe quoi. Pourtant, Fadila, heureusement qu'Amé est quand même monté dans le live. Pourtant, Fadila est prêt à venir démentir tout ce qu'on est en train de dire. Parce que là, il faut qu'on finisse avec cette Parce histoire-ci. que pourquoi il pouvait qu'il témoigne? Parce que Fadiga témoigne ou pas, j'ai ses audios. J'ai ses audios. La dame là t'a envoyé, non? Voilà. Où il confie. Il se désolidarise du grand frère Missan. C'est enregistré. Voilà pourquoi il fallait qu'il vienne lui-même en vidéo redémentir ce qu'il a fait avant. C'est important. On Oui, n'est pas c'est d'accord. très important pour nous tous. Oui, diamant bleu. Je sais, Diamant bleu, oui, diamant bleu. diamant bleu. Donc, c'est très important. Donc, et tu as la raccrocher sur Facebook, sur WhatsApp. Non, donc comme ça, raccroche Il est d'abord en sur ligne. WhatsApp pour. Il est en ligne. Il envoie le message comme ça. Dès qu'il est d'accord, il envoie le numéro. Moi, je l'appelle en vidéo et il s'exprime quoi. Oui, on s'en fout que c'est le 1er décembre, que c'est le 1er janvier ou pas. Zéro faute. Mais qui a dit que 1er janvier ou quoi que ce soit? Non, parce que Est-ce beaucoup de gens que moi, je fais ont le pacte tendance avec à quelqu'un? croire que je Moi, vous j'ai ai dit dit que multiplier. on est en train de traiter ça, mais partout de menteurs, de tous les noms d'oiseaux. On doit finir avec cette histoire-ci. On doit savoir la vérité. Puisqu'on les a amenés les preuves tangibles.
Comme quoi, on a envoyé l'argent le 23 décembre. On a bien vu comment cette personne était très agitée dans son direct. Parce qu'il attendait. Décide bien, le 23 décembre à 14h37. Où il attendait. Non, je ne parle pas de l'argent. Je parle maintenant du direct où on attendait direct, les preuves, mais... comme quoi on a donné la correction à sa mère. Non, le direct, c'était le 24 décembre à 1h du matin. Et on nous a annoncé qu'on devait faire un direct où il devait avoir un bim. Un bim. On nous a annoncé ça. Parce que le 24, il y aura un direct d'enfer. Ils ont précisé le 16h. Donc, il ne faut pas qu'on tergiverse. Il ne faut pas qu'on nous ramène des conneries que tel a fait que. Nous avons affaire à quelqu'un qui a commandité un assassinat, quelqu'un qui a commandité un kidnapping, quelqu'un qui a commandité, comment je vais dire, un vol de téléphone pour son image. Assassinat. Oui. Kidnapping. On pouvait aller couper la baisse, mais une chandelle, il tombait, tapait sa tête quelque part et mourait. Donc, c'est vrai aussi. C'est dangereux ça. Comme a dit notre frère qui est au téléphone, il a dit que vos réseaux sociaux, là, il faut être. Je ne peux pas encore prendre quelqu'un maintenant, s'il vous plaît. On va vous prendre tout à l'heure. On est en train de négocier d'abord si le monsieur peut venir intervenir. Parce que si nous sommes tous, ça va nous embrouiller. Donc, je vais vous prendre après. Pour l'instant, je ne peux pas prendre quelqu'un. On attend l'intervention de notre confrère aussi de l'autre côté. Voilà. Parce que tous là, ce sont des frères, hein, pas parce qu'ils sont peut-être de l'autre côté et nous, nous sommes de l'autre côté. Donc. Parce que c'est facile, je vous dis encore, c'est facile de pouvoir noyer le poisson. Béni, Ferdinand, James Joe. Alia, et je vais encore vous rappeler quelque chose. Fermez-moi la porte ici, s'il vous plaît. Si vous avez été incapable, si vous êtes incapable de dire à mes sens, c'est vérité, c'est votre problème. C'est votre problème. À l'heure où on est là, il faut qu'il nous apporte les preuves concrètes de tout ce qu'on a mis. Je vous ai dit, il nous faut 10 000 signatures. 10 000 signatures pour qu'il soit rayé des réseaux sociaux. On est moins sûr de blaguer avec lui. Et je n'ai même Il peut m'envoyer le lien, non, je mets aussi sur ma page. Oui, le lien est épinglé partout. Moi, je n'ai pas le lien. Si nous, à notre niveau, on commence à commanditer des assassinats, des meurtres, des tentatives de séquestration, c'est pour aller où? Quand c'est pour envoyer quelqu'un pour aller insulter les autres, là, il est très fort. Va me laver, Kamer, va me laver Patricia, va me laver ceci. Si c'est pour donner les informations sur les gens, il est très fort. Maintenant, ça appuie sur toi. Tu vas voir ce que c'est. Actuellement, peut-être la baisse, ça ne nous reste jamais vu le 24. Oui. Imaginez-vous, oui, c'était prévu que le 24, on devait nous annoncer qu'on a pris ses téléphones. Donc, pour prendre les téléphones, la baisse, ça me c'est un homme. Vous croyez que tu vas venir prendre. Moi, la femme, tu vas venir prendre mes téléphones. Je vais me débattre. Quand je cherchais les téléphones de Martinez Zogo, finalement, il est mort. Je veux me débattre et ça va partir très mal. Mais c'est vrai. Et les gens ne veulent pas qu'on parle. Les gens ne veulent pas qu'on parle. Oui, c'est que quand on parle, c'est pas un clash. C'est une histoire de dénonciation. On dénonce. On voit les gens aide-moi à détester. Non, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Avec toutes les preuves qu'on montre. Et quand ce jeune garçon va venir témoigner. Même s'il ne témoigne pas chez moi, je dis qu'on programme, il témoigne chez Amé Kamé. Vous avez toujours dit qu'on a organisé, qu'on s'est arrangé. C'est comme ça qu'ils viennent toujours dire qu'eux, ils se sont arrangés. Zéro arrangement. Il n'y a pas une histoire d'arrangement dedans. Allez. Personne ne s'arrange avec personne. Parce que le garçon n'est pas d'accord avec ce qui se passe maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on traite ce garçon de drogué. À cause de qui? C'est le fumeur de banga. C'est à cause du grand frère qu'on traite ce garçon de fumeur de banga. Ben oui. Parce qu'on allait le manipuler. Le gars est déjà populaire sur les réseaux sociaux. Le gars est populaire dans les réseaux sociaux. On le traite de fumeur de banga. Attends. Parce qu'il est venu vouloir démentir, mentir même. Okay. Mentir. Attends, il faut qu'il demande ça. Je m'énerve comme ça, là, ça m'énerve même. Le grand m'énerve à un niveau, n'est même pas.
un cœur qui est incapable d'assumer ce qu'il fait, incapable de prendre ses responsabilités. Voilà l'enfant de tuer contre de fumeurs de banga dans les réseaux sociaux. À cause de lui. Mais lui s'en fout. Demain, il va le traiter de mendiant. Demain, il va le traiter de mendiant. Nous, on a fait le sale boulot ici pour lui, non? Nous, on a bien fait le sale boulot ici. Aujourd'hui, on nous traite de quoi? On nous traite de quoi aujourd'hui? On arrive à souvent les gens venir à sa route. Un diable. Allez prendre un enfant qui est dans sa route du Boza. Même dans la route du Boza. Est-ce qu'il a subventionné même le Zodiac? Est-ce que tu as subventionné le Zodiac en Fadiga? Non. Mais quand si tu fais un live dans l'histoire des États-Unis, là, je vais remettre la partie du live où tu étais la première personne à dire que oh, l'autre, tu peux. Oh, la baisse tu peux l'instant. C'était dans ton live du 22, du 23. Tu avais mentionné ça dans ton live du 23. La fête des États-Unis est venue par toi. Mais je vais te dire, et comme je le dis à tout le monde, je m'attaque à un Camerounais qui a demandé à abattre notre Camerounais. Je m'attaque à ce monsieur. Que tu sois Bassa, que tu t'appelles Messan, que tu t'appelles Issou Gradjane, rien à cirer. Nous avons affaire à un Camerounais qui a voulu finir avec son frère de la diaspora. Il faut qu'on soit clair. Moi, je... Bon, le Joe a envoyé son numéro. Il a envoyé son numéro. Bon. Allô? Lance-lui l'appel. Est-ce que tu as parlé là? Oui. Allô? Ouais, je t'ai... Je viens de parler avec lui. Il m'a demandé d'envoyer son deuxième numéro. Que tu peux l'appeler, il n'y a pas de problème. D'accord, je l'appelle, je te tiens au courant alors. D'accord, ça marche. Reste connecté, s'il te plaît. Okay. Je l'appelle tout de suite. Ok, voilà son numéro. Appelle en vidéo, maman, c'est important. Oui, c'est ce que je veux faire. Dis, ah. C'est courrier, pourquoi ça ne prend pas? Regarde, j'appuie. Attends. Envoie-moi le numéro à part. S'il te plaît, parce que j'essaie de faire la copie-coller, là, ça ne prend pas. Envoie-le, exactement. Hein? Qui t'envoie ça en transfert de contact? Comme ça, tu enregistres seulement, tu as plus là. Il t'envoie et toi, tu me renvoies ça seul. Non, on doit finir avec la fesse. Nous sommes fatigués. On parle de quoi? De parler de tout ce l'on vient tout. Ça dit que quelqu'un est prêt à tout, à passer, tant que lui, tant que pour lui, ça va, il n'y a pas de souci. Il fallait voir le jour là. Vous coulez dans le sac. On ne peut pas parler quelque chose qui est propre. Je vais même remettre le jour là. Je vais remettre comment il avait commencé le live la nuit là. D'accord, attends, j'enregistre dans mon téléphone, je t'envoie ça sur WhatsApp, Seigneur. Merci. Il avait dit le jour là que, avant ça, pas le jour là d'abord. Amen. Il avait annoncé qu'il y aura un direct le 24 décembre, ça va faire très mal. Exact. Il avait dit que ça devait faire très mal. Donc le 23, tout était en train de se préparer, hein, pour faire le ping le 24 pour nous dire que vous vous attaquez à qui? Voilà votre élément qui au Maroc qu'on vient d'atomiser. Voilà, 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 voilà. Tu vois un peu, non? Il dit qu'il enregistre ça et il m'envoie ça. Il enregistre dans son téléphone et puis il m'envoie ça bien pour que je fasse l'appel. Tu vois, non? Exactement. On parle de quoi là? On a toujours parlé de vous. Les gens sont toujours là. Vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Il s'agit de la. J'ai souvent dit, on ne s'attaque pas à un orphelin. Ne vous attaquez jamais aux orphelins. Hein? La vérité finit toujours par triompher. Vous allez voir le jour là, comment elle est venue dans les réseaux sociaux. Non. Vous allez voir. Je n'ai jamais vu mon grand frère faire un direct. Il mange le gingembre, il part, il revient, il part, il revient. Il tourne, il tourne, il tourne. Moi-même, mon grand frère était très agité ce jour-là. Mais pourquoi il ne trouve pas un mec à mettre sur le téléphone si? Pourquoi? Ah, te voici.
Il dit que le jour là, non, il a tourné, dont le gars attendait les bonnes nouvelles. Non, envoie sur l'autre, envoie sur l'autre, parce que tu as envoyé sur celui que tu as en ligne. Envoie sur l'autre. Celui que tu as en ligne là, alors, par contre, l'autre là, est-ce que je l'ai ici? Attends, je regarde. Parce que téléphone-ci, Amen, regarde le téléphone-ci. Attends, je vais enlever ça dans la coque. Quand j'entends les gens dire qu'ils me font le chantage, j'ai envie de leur dire que. Ne tentez même pas. Parce qu'on m'envoie les nouvelles chaque jour. En attendant qu'on m'envoie le numéro là, je passe aussi un message en même temps. En attendant qu'on m'envoie bien le numéro, parce que c'est lui là maintenant qui va blanchir mon neveu, Samé. Regarde le téléphone-ci. Tu as eu ce téléphone? Ouais. Ce téléphone-ci là. C'est pas le téléphone que le mari de... Voilà, ça ici, c'est Samsung. Le téléphone-ci. C'est pas ce qu'on t'avait donné. Quand vous venez, que vous venez me faire le chantage, faites très attention. Ah, faut même pas me faire le chantage. Je voulais parler de ça, mais si je parle encore de ça, on va dire quand même, tu déranges. Tu parles de tout. Si je te dis de parler, tu parles. Je peux parler. Oui, tu peux parler. C'est pas le téléphone du mari de l'Angala qui a oui, c'est, pas le... c'est ça ici qu'on m'avait donné. Oh, mais j'ai comme impression qu'on veut m'intimider. Il paraît qu'on dit que si ça me tente de parler, que moi je partais me confier, je parlais de la vie de Flore. Que j'ai, elle a, on a les voices où moi je partais saboter Flore. Même si je sabotais Flore, c'était avant. C'était avant quand tu fais la paix avec quelqu'un avec qui tu as été ennemi. Mais, c'est un pied dedans, un pied dehors. On dit qu'on va donner 3000 euros pour aller payer les machines. Les machines pour les femmes handicapées, je n'ai pas payé les machines. Ma milliardaire, elle peut témoigner quand elle veut. Quand je veux. Je peux parler, elle me laisse le voice. On revient. Donc, ne venez pas me faire le chantage. Vous voulez me faire le chantage là. J'envoie seulement, il dit comment vous voulez avec. Voilà, le numéro là, c'est bon. C'est bon, il lance en vidéo. C'est bon. Très bon même. Comme il n'est pas enregistré, je lui fais d'abord un coucou. Voilà. On dit que tu ne sais pas écrire. Tu écris coucou comment? Tac. Voilà. J'ai envoyé un coucou. Et là, je mets la vidéo. C'est bon. Il faut qu'elle mette bien, vous allez bien voir. Allô. Bonne année, Réfé. Njila. Mais obligé de mettre porni French, nous les Bourbaye Bingeme. Oui, le problème qui se pose là, c'est un problème très grave. Il faut te blanchir dans ce problème-ci. Ce n'est pas le clash, hein. Ce n'est pas un clash. Nous, on est en train d'éclaircir les choses. Moi, j'ai compris que, Nkale, tu veux la paix. Tu as dit que tu ne veux pas qu'on harcèle ton grand frère. C'est notre grand frère, nous tous. Non, ben, le porn French, là maintenant, là, ce n'est plus ça. Vraiment, il y a un problème très grave, très très grave. Il y a ton frère Samé qui est dans la merde. Il y a toi-même qui est dans la merde. Parce que là, tout le monde sur la toile maintenant dit que tu es un drogué. Tout le monde sur la toile. Hein? Bon. Maintenant, il y a un problème. Non, il y a un problème parce que ce que tu as dit a mis certaines personnes qui risquent de mettre des gens dans les problèmes. Et moi, j'ai envie que tu te dédouanes de ça, que tu dises la vérité. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ça met t'as un jour dit de dire que Lolita la baronne et Niad Barano, ce sont eux qui l'ont envoyé. Non, jamais. Moi, ça m'est, moi, je m'envoie quelque part. Voilà, premièrement, je n'ai jamais vu.
Moi, je vais te taper CRC. Voilà, moi, c'est un banque. Mon chien, moi, il est à lui. Je vais te taper CRC. Mmh. Voilà. Le répé, mais ça ne m'a jamais envoyé. Je dis, je joue sur mon boza. Encore. Mmh. Oui. Sur mon boza. Mmh. Oui. Que le répé, mais ça ne m'a jamais envoyé. Dire quelque chose. Il ne m'a jamais contacté. Il ne m'a jamais rien dit. On ne s'est jamais vu. Il ne m'a jamais parlé. C'est moi qui l'ai calme. Mais il n'a rien à y voir dedans. Je me suis levé juste parce que j'ai vu comment tout le monde était contre lui sur la toile. Voilà, il ne m'a jamais envoyé. Mm-hmm. Voilà. Donc, Lolita, la baronne, une fois de plus, mais c'est contre là, Donne le récit. Excuse-moi vraiment. Je suis vraiment désolé. Désolé, vraiment. Et mes condoléances une fois de plus. Voilà. Monsieur, mais ça ne m'a jamais envoyé. Dire quelque chose que non, il ne m'a jamais rien envoyé. Je m'a dit ça parce que j'ai vu que de lui. Tu t'attends pas avec lui, moi je dis ça pour qu'il serait. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Nyad Barano, donc, grand, Nyad Barano, on ne va jamais lui demander les excuses, donc, toi tu es un tribaliste, père, oui. Nyad Barano, donc, rien à te demander comme excuse, donc, grand. Voilà, tu n'as bon. Aucune excuse, donc, voilà. Tu n'as pas entré en contact. Mais comment tu as fait pour être en contact avec le grand? Mais le grand dit qu'il te connaît depuis le pays, hein? Bon, écoute, laisse-moi, tu as vu. Il a accepté la vidéo, non? Parce que moi, j'assume ce que je parle, et j'assume ce que je dis, je viens de vous parler, voilà. Mmh. Le grand n'a jamais dit ça. Si c'est que tu me montres, moi, le grand, je ne connais pas le grand depuis le pays. Voilà, le grand, c'est un gars de Koti. On se fait un gars de Koti, c'est un gars de Béti. Voilà. Voilà, le grand, je n'ai jamais. Je ne connais pas le grand. Voilà, moi, je ne connais pas le grand frère. Moi, c'est un bassin, c'est un bantou. Comment? Voilà, je m'en vais venir, jamais. Mais comment tu as fait pour avoir le numéro du grand? Hein? Comment tu as fait pour avoir le numéro du grand? Mais c'est qui là? Mais il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas les numéros. Ils sont pas là qui font le marketing. Il y a les produits, mais les numéros. Même ton numéro sur WhatsApp, hein, sur Facebook, non, c'est. Ah oui, c'est vrai aussi. Mon numéro est sur Facebook. Le numéro que je t'appelle avec là, oui. Voilà, non, j'ai pas besoin. En fait, voilà mon petit frère qui dit qu'il est venu, ce n'est jamais. Le grand frère qui l'a contacté, c'est lui qui est venu défendre. Donc, il prend tout sur lui. Donc, Samé ne l'a jamais contacté. Il n'a même jamais vu Samé. Je n'ai jamais vu Samé au Maroc. Samé, mon grand est le grand de Samé. Donc, mon grand qui a causé tout à l'heure. Il a dit qu'il est votre grand, vous deux. Voilà, nous sommes du même quota. Donc, c'est lui qui connaît, qui me connaît bien. Quand on se connaît, mais Samé, moi, je ne connais pas Samé depuis le pays. On ne s'est jamais vu. Comme on se voit, c'est moi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, maintenant, quel est le conseil que tu as à donner? Oui, pas la même, quand même. Il a été dit, moi je vous transmets en français, il a été dit à mec à mec que pardon, laisse comme ça, baisse le cœur. Il dit à mec à mec de baisser le cœur sur le grand parce qu'apparemment il est fan du grand. Voilà, donc, il est dans le système de que c'est mon frère Bassa. Donc, là, il est là, lui, son problème, c'est qu'il ne veut pas qu'on atomise son grand, alors que son grand a tort. Donc, qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que tu trouves normal qu'on envoie l'argent pour qu'on atomise ton frère Samé? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je peux pas accepter ça. Là, ce n'est pas pour moi. C'est pour ça que j'aimerais que vraiment, on n'a plus le grand frère, mais c'est en famille. Voilà, parce qu'on dit que ça se lève en famille. Tu vois, non, c'est, bon, voilà. Est-ce que tu sais donc que les réseaux sociaux, c'est notre deuxième famille? Nous vivons ici sur les réseaux sociaux, c'est notre deuxième famille. C'est que tu ne connais pas encore le système. Parce que même le grand frère, quand il a te dit, il lance la caméra, il te dit ce qu'il pense. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce que le grand frère a fait? Qu'il demande qu'on aille donner une correction au petit frère et prendre ses téléphones. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, le grand frère va demander des excuses. Moi, je vais parler avec le grand frère. Moi, je vais parler avec le grand frère. Le grand va demander des excuses. RSC, le grand va demander des excuses. Ça, on dirait. Tu ne me donnes pas. Même quoi, le grand. Le grand va demander des excuses. Moi, je sais. Le grand va demander des excuses. RSC. Mais comment le grand frère va demander des excuses alors qu'il n'a rien fait? S'il demande des excuses, c'est qu'il a fait quelque chose. Comment t'as-tu dit qu'il va demander
demander des excuses encore. Alors que vous dites qu'il n'a rien fait. Non, le grand que c'est qu'il n'a rien à Zaïre. Le grand que lui, c'est qu'il a Zaïre. Même si devant le public, il ne peut pas dire. Oui, il dit que vous êtes en train de couvrir. Vous êtes en train de couvrir parce que. Vous êtes en train de dire que non, c'est le grand parce que quand tu viens intervenir dans le direct du grand, tu sais bien que ce n'est pas vrai ce que tu as dit, mais tu l'as fait parce que fait. Tu as vu qu'il était tout à terre. Tout à fait. Non, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Là, je vais te mentir. C'est ce que tu dis là, c'est ça. C'est ça. Ce que tu dis là, normal. Laissez-y, ouais, c'est ça. Je peux vraiment que respect. Laissez-y, même pour toi. Voilà. Même toi, c'est pareil. Je mets pour toi, laissez-y, c'est pas la blague. Voilà. Mais tu sais que nous, on est dans la vérité. Vous avez vu que c'est un garçon honnête. S'il était malhonnête, il allait dire, même il a même dit qu'il ne parle même pas dans le direct. Il n'est pas obligé. Il pouvait dire qu'on parle en privé. Mais là, il a accepté. C'est toi, c'est toi qui fais ça. Non, c'est la famille. Mais la famille, comme tu as dit quand même, le linge sale se lave en famille. C'est pour ça que Amer Kamer et moi, pour montrer aux autres que ce n'est pas une histoire de que village, c'est une histoire de réalité. L'abbé Samer. C'est notre enfant. C'est un orphelin. Imagine-toi qu'on partait voir l'abbé Samer, qu'on dit qu'on veut prendre ses téléphones, il se débat. Parce que moi-même, qui suis une femme, tu ne peux pas venir par mon téléphone, il te laisse prendre. On va d'abord Cham. Tout à fait. Imagine qu'on lui donne un bon coup, soit à la nuque. Il tombe, il meurt. On fait comment? Parce qu'un grand a donné l'ordre pour 100 euros. 100 euros. Ça ne pouvait même pas arriver. Non, ne dis pas que ça ne pouvait pas arriver, ne dis pas ça. Si ça ne tombait pas entre les mains d'Alex, on ne serait plus en train de parler là. On ne serait plus en train de parler. On doit dire merci à Alex. Arrête, c'est malheureux. Le roi, non, ma orbe, ma orbe, ta bella. Il reste un gars. Ma orbe, ta bella, reste voilà. Ma orbe, ta bella. Il dit que le Maroc n'est pas comme ça. Que le Maroc n'est pas comme ça. Mais. Moi, on n'est pas comme ça, Récit. Mais, mais, bah les problèmes y est les mêmes là bon yom ou c'est bien dit mais ou calme bah les mêmes là même kawel même là mais bah les mêmes là même kawel même là même nous sommes une famille nonga merci bonne année les jobs à hola ouais à ça ouais nonga merci ne fais plus ça parce que ça peut causer oui c'est pas vraiment ça non ne fais plus vraiment ne fais plus ça parce qu'en faisant ça tu as donné beaucoup de crédibilité tu lui as donné beaucoup de crédibilité en faisant ça. Je suis revenu comme ça avec toi pour parler en live. Ça nous nourrit, c'est ça, on dirait. Okay. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est la famille. Il n'y a pas de problème. Je vais te prendre après. Je finis le direct alors. D'accord, merci. Merci de ton intervention. Merci, merci, Longo. Merci. Bon. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de ça? Vous savez, dans la vie, voilà un jeune aussi, c'est aussi un enfant, qui jure sur son Boza. Beaucoup de personnes peut-être qui me suivent ne savent pas ce qu'on appelle Boza. Je vous explique ça tout le temps. Boza veut dire l'aventure. Boza veut dire prendre peut-être la route ou prendre, Amer Kamer vient de dire ça, la pirogue. C'est très dangereux. Donc, il jure sur son Boza que mon neveu ne l'a jamais, ils ne se sont même jamais vus. Tu as compris, Amer Kamer? Ils ne se sont jamais vus. Et que il est entré dans le live là parce qu'il a vu que il y avait trop d'inclupité. On dit ça, non, c'est ça qu'on dit. L'autre était trop inclus dans cette histoire-là. Ouais, c'est il y a ça. Trop de vérité. Il était obligé d'entrer. Apparemment, il n'aime pas Niad Barano. Apparemment, voilà ce
il a dit ça là en live. Mm-hmm. Et il souhaite les condoléances à Lolita, la baronne. Mm-hmm. Il a dit son ressenti. Donc, il est venu dire ça sans savoir qu'il est en train d'incriminer aussi son frère, sa mère. Sans qu'il ne le sache, il est en train de noyer sa mère. Mais il a demandé les excuses là, maintenant, là. Il vient de demander les excuses. Il dit qu'il ne connaît pas le monsieur depuis le pays. Il ne le connaît pas. Il le connaît sur les réseaux sociaux. Et il a vu, parce que c'est quelqu'un, il nous suit, nous tous. Amen, Kamé. Mais je pense que tu as suivi ce qu'il a dit. Oui, pour moi, hein, pour moi, comme je dis toujours, ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle, c'est d'atteindre le nombre de signatures requis pour engager des poursuites. Mm-hmm. Mais l'abbé Samé, déjà au Maroc, doit déjà faire une main courante. Non, c'est fait. Photocopier la main courante, t'envoyer toi. C'est fait déjà. Rajouter sur ce que nous allons faire ici pour exprimer vraiment la dangerosité. Envoyez les cœurs. Envoyez-moi les étoiles, ouais, pardon. La dangerosité de l'affaire. Mais ça réussit l'appel. Je dis toujours, en ce qui concerne tous les petits micmacs qui font tout autour, là, j'en ai rien à cirer. Nous savons déjà que c'est un manipulateur. Nous savons que c'est. Où ça, ta caméra? Nous savons déjà que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour la communauté camerounaise. Mm-hmm. Donc, nous devons mettre toutes nos batteries en place pour qu'il réponde de cet acte qu'il a voulu poser. Donc, on n'est plus là pour dire que Fatih est revenu. Pour dire que le but, c'est vrai. Attention à la caméra. Comment je vais dire? C'est vrai, je me suis trompé. Excusez-moi. Allô? Merci pour les étoiles. Je n'ai pas vu qui m'a envoyé. Allô? Oui? Bonsoir. Allô? Vous appelez? Vous avez votre poste récepteur derrière. Bonsoir les deux personnes qui m'ont monté. Majref, tu veux intervenir? Non, moi, j'ai juste quelque chose à dire. Je voulais dire que, dis à ton fils-là qu'il a déjà une femme. Dès qu'il entre seulement, il a déjà une femme qui l'attend. Donc, je l'attends déjà. Je descends. C'est tout. Donc, toi, il a déjà une femme d'office. Ah, je vais lui dire ça. Voilà, dis-lui ça. Qu'il sache que dès qu'on doit prier alors pour son beau-là. Il doit entrer. Il a déjà une femme. Il est sérieux. Il préfère moi être avec un gars sérieux. Non, il est sérieux. Il est honnête. Il n'est pas comme un mec à mère. Donc, il descend. Ok. Bonjour à l'autre personne. Allô, bonsoir, ma chérie. Allô, bonsoir. Voilà, Niat. Oui, Niat. Mais toi, tu as entendu le gars? J'étais là en direct. J'ai même vu les lames. Écoutez, compresseur. Oui. Ça, c'est maintenant, avec tout ce que le gars a dit, moi, sincèrement, moi, je vais faire du mal à mes sangs. Parce que ça, on ne peut pas. Parce que ça se voit que le gars est en train de couvrir mes sangs. Oui. Mais ça a appelé le gars, mais ça a dit au gars qui vient dire ça. Mais le gars, sa conscience. C'est ça qu'on dit dans la vie, chacun a une conscience. Oui. Tu comprends? Chacun a une conscience. Oui. Le démenti que le gars vient faire aujourd'hui, là, c'est sa conscience qui est en train de le juger. Tu comprends? Oui. Mais ça aurait été méchant. Mais ça aurait été vraiment méchant. Mm. Et moi, maintenant, je vais encore repartager cette pétition-là dans tous les groupes. Mais ça est vraiment méchant. C'est un vampire. Moi-même, son propre frère, il a ordonné comme électeur. Il n'a pas le cœur. Le gars a le glaçon à la place du cœur. Niat, ce qu'Amé Kamé dit, même, c'est rien. Moi-même, je n'ai pas bagarré ici. J'ai des problèmes avec. Comment s'appelle encore la même? Patricia Amel. J'avais un problème avec elle. Est-ce que j'avais un problème avec Patricia Samel? J'avais aucun problème avec elle. J'ai acheté seulement ses problèmes. Hein? Le gardien de mettre les fesses de mes sangs dehors. Quand je suis énervé comme ça, même les paroles même ne viennent. Les paroles même. La parole est partie. Maintenant, ses complices vont dire quoi? Ses alliés,
les Dikamindo, les Lofombo, ils vont dire quoi maintenant à l'heure ci là? Que le gars est venu témoigner, ils vont dire quoi? Oh, ils vont dire qu'on a aussi, on a aussi organisé, non? Mais comme Messan aussi avait organisé. Ils vont dire qu'on a organisé. Ça s'est passé tout en live là. Okay. On a envoyé le vidéo en live. Ça m'a bagarré ici, là, dit que la famille est montée, la famille est descendue. Ça m'a ne dormait pas. Ne sont atomisés, ça m'a. Hein? Ça a péché que. Ça a péché qu'on a demandé à ça m'a. Envoyez les cœurs, non, mes gens. Bloquez les têtes de mort. Bloquez les têtes de mort. Oh. Bonjour, allô, ma boss, bonsoir. Bonne année encore. Je ne peux pas manger le premier. Ma boss, oui. Tu oses croire que tu as écouté notre jeune frère faire le témoignage. Oui. Parce qu'il y a des endroits qui parlent en bassa. Oui. Je lui ai dit non, tu parles en français. Exact. Parce que j'ai des enfants dans le monde, comme j'ai toujours dit. Hein. Je n'ai pas besoin de parler. Si je veux parler en privé, je t'appelle ou j'appelle les bassa, je les appelle à côté que causons. Mais quand je suis déjà ici, là, j'ai les enfants dans le monde. J'ai les enfants dans le monde. Au Cameroun, alors je suis camerounaise plus, plus. Je parle, j'écoute, je comprends plus le baranté même que le bakoko, le bassa. Je lui dis pas, parle en français. Mais il y a des mots qui parlaient en bassa. Il parle bien de ton camarade. C'est très grave. Dit comme disait, la gloutte bosse. La gloutte bosse, c'est dans le direct. C'est très grave. Je ne savais même pas que Benjamin était dans le direct. Je ne savais pas qu'il était là parce que je voulais planter le décor. Du coup, dès qu'il a lancé la paix, j'ai du coup pris là que bon, c'est même bon comme il est là. Je peux parler. Moi, les mots sont même partis. Pardon, si tu peux parler, tu parles. Moi, les mots, j'ai honte même. J'ai honte. Arrête de faire tes yeux doux. Calme-toi. Il ne veut pas les yeux doux. J'attends que le camarade a mangé son argent. Moi, il ne veut pas manger. Ahmed, oui, vas-y, s'il te plaît. Parle, vas-y, parle. C'est grave. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. En fait, je prends tout le monde à témoin. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais non, il ne faut pas monter dans les lives, tu n'es pas une blogueuse. Je tiens à vous dire que n'ayez pas peur. Non. Je ne serai jamais une blogueuse parce que je n'en ai pas l'intention. Hein? Je laisserai le blog au blogueur. Bien, donc n'ayez pas peur. Ceci étant, cette histoire a commencé par le fait que j'ai tendu la main à ma soeur compresseur. Yes, c'est ça, oui. Si je monte dans les directs quand il s'agit de ce problème, c'est parce que je suis concernée, la principale concernée. Mm-hmm. Les autres à côté, ce sont juste des dégâts collatéraux. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai tendu la main à compresseur, Messan a voulu m'abattre. Il a pris tous ceux qui étaient autour de moi pour faire d'eux une patte, un pâté de chien. À chaque fois qu'il a essayé de tenter quelque chose, ça a avorté. Jusqu'à la situation, jusqu'à traverser la Méditerranée pour aller faire du mal à notre petit frère, à mon fils. C'est lui qui l'a appelé le fils jusqu'au dernier jour où son forfait a échoué. Alors que nous étions par téléphone avec Samé depuis le Maroc. Donc, que tout le monde qui est dans ce live aujourd'hui se rende compte de la méchanceté, de la diabolisation interne de ce personnage machiavélique. Satanique qui a pour seul but de nuire à autrui à partir du moment où on ne va plus dans son sens. À partir du moment où on ne veut plus être avec lui, tu n'as plus le droit d'exister, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct, comme dans la vraie vie, comme ce qu'il a voulu faire avec sa mère. Je suis très contente de cet instant précis. Ah, moi aussi. Hein. Je bénis cet enfant qui a intervenu en direct là. Je vais prier pour lui, Babosa. Que tout le monde comprenne, que tout le monde voit, que tout le monde entende ce que cet homme est capable de faire. Et
Je vous rappelle encore une fois qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien. On ne lui a rien fait. Par sa jalousie, il a regardé ce qu'il est en train de faire de la communauté. Il a fait des... C'est-à-dire qu'une petite situation où de jalousie a entraîné un complot de bastonnade qui pouvait arriver jusqu'à l'assassinat. Il a amené ça, quand ça cuit sur lui, il a amené ça sur le terrain de tribaliste, en mettant les gens qui n'avaient rien à voir avec le problème dedans. Excusez-moi, deux secondes de pause publicitaire, oui. S'il vous plaît. Pardon. Moi, j'ai mon argent aussi en même temps. Bien sûr. Pour toutes les personnes qui ont envie de rajeunir, qui ont les problèmes de peau, de... Mabo, s'il te plaît, aide-moi. Pardon. Le rajeunissement cellulaire, la détoxification du corps et l'embellissement d'une manière générale, cette lutte-là est la marque de référence pour la communauté africaine tout entière. Donc, si vous voulez avoir une meilleure santé générale et une beauté éternelle, pariez sur la longévité en bonne santé. Le Glutathion, c'est la marque de référence actuellement. Glutaline, c'est la référence. Et le nom du site, s'il te plaît, pour avoir... Il y a une promotion en ce moment, s'il te plaît, aide-moi. Comme tu es dans mon direct, je profite, s'il te plaît. Parce que vous savez que Madame Perpétue, c'est une ambassadrice humanitaire et qu'elle est amenée justement à faire des déplacements pour ses œuvres humanitaires. Et vous avez un code promo qui est Perpétue 237. Vous utilisez ce code promo sur le site internet Perpétue 237. Ça vous donne une réduction de moins 15% et nous mettons 5 euros de côté pour des œuvres humanitaires à venir que Maman Perpétue devra faire dans des pays, le Cameroun ou d'autres pays d'ailleurs, en fonction de nos projets du futur. Voilà, tout simplement. Donc, on précise bien, ça, c'est les vitamines. La vitamine C, liposomale GSH, la seule vitamine C qui a une meilleure biodisponibilité de 200% parce qu'il n'y a pas de perte dans l'acidité des intestins. Et nous avons également notre glutathion liposomal GSH, le seul glutathion au monde qui fait l'objet d'une étude clinique qui a prouvé son efficacité. Et puis surtout, d'un brevet, parce qu'ici, nous travaillons avec des produits brevetés, des produits qui ont une autorisation de mise sur le marché à l'international. Merci beaucoup, ma boss. Je t'en prie. Voilà, tu avais la parole. La glutathion, oui. Tu n'as pas un produit pour durer, pour nous les autres. Pour durer. Oui. Je comprends tes frustrations envers aussi. Non, attends, ne nous distrais pas, pardon. On est sur un débat très important, oh. Parce qu'on nous a traité de menteuses ici. On a traité, on t'a traité toi de d'avoir à envoyer sa mère pour partir faire des bêtises. Débattons dessus, parce que Agnat, on rigole, mais c'est très dangereux, je vous jure. On sera en train de fêter comme ça, en train de pleurer. Pourquoi on vous a choisi, vous deux? Pourquoi c'est vous qu'on a choisi? Oui. En plus de Bamleke, ça vous dit rien? Non, il a vu, parce qu'on était vrai dans le problème. Quand le problème est sorti directement, on a donné notre avis, tu vois. Moi, j'ai donné mon avis direct. Quelqu'un non, mais sans, il est capable, il a fait. C'est ce qu'il a fait, il a envoyé les gens pour qu'on assassine. Moi, je doutais encore. Il a pu retourner ça contre nous, tu vois. Moi, je doutais encore. Je te jure que moi, je doutais encore. Je ne doutais pas. Pas du... quand je vois maintenant, je retourne en arrière, je vois comment est-ce qu'il fait le direct. Il annonce d'abord. Je dis à sa mec, ton grand-père annonce quelque chose là pour le 24. Donc, c'était comme ça la bastonnade de sa mec qu'il annonçait. La mort. Connexion de sa mère. La mort. Le Martinez Ogo, c'était le Martinez Ogo de sa mère. Je te dis. Exactement. Parce qu'il a fait plusieurs tours. Il a pris un dîner. Il part. Il revient. Il part. Il revient. Du jamais vu depuis qu'il fait les directs. Oui. Du jamais vu. Oui. Ah, oui. Donc il attendait qu'on lui donne le message que c'est fait. C'est fait. Le problème, c'est qui se culpabilisait déjà, mais il ne pouvait plus reculer. Pendant son direct, il culpabilisait. Merci, Nyat. Merci beaucoup. Pendant le direct, il culpabilisait déjà. Est-ce que c'est une bonne décision que j'ai prise? Voilà. Quelqu'un qui a mouillé le maillot pour lui. Oui, pendant le trait. Me voici aujourd'hui, Patricia Melsen, me voit même connaître sa voiture.
Tu parles de le maillot. Que non, le grand frère, tu n'as pas chez qui le problème. Patricia Mère, je n'ai jamais demandé pardon à quelqu'un. Je te demande pardon, ma chérie. Je te demande pardon, Patricia Mel. Tu connais, c'est la toile, c'est le aide-moi à détester. Excuse-moi, maman. Excuse-moi. J'étais insultée comme ça à cause du père là. Bravo, ma. Je crois que c'est mon frère. Bravo. Je te demande pardon, Patricia Mel. Bravo. Je n'avais aucun droit à cette fille-là. Je suis venue insulter cette fille. Parce que j'ai dit que le grand frère qui m'a déposé en route à cause de ma mendicité. Comme il a vu que maintenant je ne mendie plus, j'ai mon boulot. On va aussi tuer la femme qui me donne à manger. Oui. On peut faire ça. Une femme qui l'a. Mais tu n'as pas. Compris, tu n'as pas compris ce que la Guita Boss a dit. Le problème vient d'elle. Tu comprends? Mais est-ce que c'est qu'il allait dire au Cameroun qui n'a pas de problème avec quelqu'un? C'est moi. Attendez, je vous dis une histoire. Il allait dire. Qui n'a pas de problème avec la Guita Boss, que moi, je suis une ingrate. Il m'a présenté, je suis allée signer le contrat sans lui dire. Quand est sorti les photos, les vidéos, on a mis les mains sur la tête que yeah, le type, s'il veut quoi comme ça, yeah. Il fait même des peurs aux gens. Il fait peur aux gens. Bon, le problème... Il m'a menacé que je dois agresser à mec à merci. Je te dis. Le bandit et la famille. Hein? Moi, j'avais dit que non, c'est le fou du village. On a Guita Boss a dit quelque chose l'autre jour, les gens ont négligé. Tu sais, à l'aube de 70 ans, quand on n'a pas réagi grand-chose dans sa vie, ça devient inquiétant. Tu es prêt à tout parce que tu veux rattraper le temps perdu. Exact. Tu es prête à tout parce que tu as donné une image de toi qui n'est pas rejetée. C'est comme les gens qui vont louer les maisons à 200 000. Le portail est bien mal à l'intérieur. Ils tapent le tapioca matin, midi, soir. Matin, midi, soir, est dans le tapioca. Il veut, au lieu de rentrer un niveau où il paie la maison à 100 000, il mange bien. Il arrive à ce niveau-là. Il veut montrer qu'il a réussi. Mais la vérité, c'est que quand on regarde ce qu'on fait les comptes, il n'y a rien. Il n'y a rien. À partir de ce moment, il va déclencher des facteurs que si ça ne l'arrange pas, bêta, ça se gâte. Surtout, si toi, il a vu que non, tu as déjà réalisé un X ou un Y. Exact. Ces gens sont plus... Eric, ce sont des sociopathes. C'est-à-dire qu'ils sont capables, rien que pour 1000 euros, de t'abattre. Ah oui, tout à fait. De bon avec toi. Maintenant, la plupart des gens dans la diaspora qui ont toujours vécu pour le regard des autres ont affaire à ce genre de problème. Tu ne peux plus vivre pour toi. Il faut que tu sois dans telle soirée. Il faut qu'on te voit avec ça. Il faut qu'on te voit avec ça. Il faut qu'on te voit avec ça. Je reviens sur le cas de Patricia Mel. Patricia Mel a dit l'autre jour, si c'était moi, toi, quand Guita Boss avait parlé de mes chaussures, j'allais sortir, je coupais ça en direct devant tout le monde. Pour montrer que je n'ai pas besoin de ça. Mais comme ils ont besoin de la chaussure, là, comme ça a coûté cher, c'est important. Et yo, néné, pour qu'on voit que non, on est mari, bleu, bleu, bleu. Peut-être on peut se trouver dans un autre secteur. Ça va, et c'est ce qui est là aujourd'hui. La course contre la monnaie, c'est comme la monopause. Ça veut dire que le grand frère aujourd'hui, le grand frère à l'aube, ça veut dire que c'est comme une femme sans déjà sa monopause, sa ménopause arrivée, il ne reste que là-bas un an. Maman, elle va chicoter que partout elle peut trouver pour chicoter pour que le Mouladjou, il arrive à ce niveau. En plus de ça, il a une famille qui arrive. Le corps ne tient plus la route. Je fais comment exister. Quand je regarde, attention, quand je regarde mon ennemi en face, je vois qu'il est dans les jets privés, il a fait les mariages, oh, il donne les baptêmes, oh, il donne. La tête gonfle encore. Les gens commencent encore à envoyer les messages, ils veulent voir les photos. Parce que je suis sûr que chaque fois que le monsieur fait un décalage, il a la photo en premier. Après tout ça, là, la pression. Non, en fait, Amel, je ne te coupe pas. Mm-hmm. C'est quelqu'un, en fait, qui est un manipulateur, mais on nous traite de manipulateur. Mm-hmm. Je me rappelle quand ma fille Michelle avait ses problèmes, quand elle est ressortie de ses problèmes.
Comment est-ce qu'il m'a mis une pression? Oh, elle n'est pas bien. Il ne faut pas être avec elle. Ce n'est pas une bonne personne. Méfie-toi d'elle. C'est-à-dire, en fait, comme moi, je suis que quand j'aime quelqu'un, je me donne à fond. Tu pas, j'étais plus que manipulée. Tu pas tourné loin au cou. Hein? C'est toi qui as appelé le souverain de mon tien pour mon problème. Et c'est mais moi bien qui sûr. Le numéro. Mais bien sûr. De Raymond c'est à mon père. Après. Mais oui. C'est mon père. Est-ce qu'il le connaissait d'où? C'est moi qui l'appelle. C'est moi qui donne le numéro. Il le connaissait d'où? Il utilisait. En fait, c'est quelqu'un qui utilise tout le monde autour de lui. Je vais te dire, c'est très simple. Hein. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que le tableau. J'ai dit que je ne parlerai pas de la vie privée de ces gens-là, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'ils ont voulu faire de moi, me présenter comme quelqu'un de très mauvais, alors que tout le monde a vu ce que j'ai fait pour eux sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai tendu la main à une sœur, ils ont voulu abattre également cette sœur, y compris tous ceux qui tournent autour. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Ils rêvent leur vie. C'est des gens qui rêvent leur vie. Ils sont en train de rêver leur vie. C'est-à-dire qu'ils voient des gens qui ont une certaine catégorie de vie et ils sont là en train de rêver. Quand ils rêvent au point où ils essaient de ressembler à cela. Par exemple, regardez-moi un vieillard comme ça qui veut vouloir me concurrencer alors que il existe depuis qu'il a au moins 30 ans de plus que moi et il pouvait faire des choses extraordinaires depuis qu'il est en Europe. Je suis ravie hein, d'être son exemple, en fait. Mais seulement, tu ne peux pas en même temps copier une personne qui est autour de toi, essayer d'éliminer cette personne, y compris les éléments qui sont autour de cette personne. C'est en ce sens que c'est d'une méchanceté qui n'a pas de nom. C'est une méchanceté qui n'a pas de nom. Donc, je suis ravie que tout le monde voit à travers le témoignage de ce frère qui est au Maroc, qui vient de Oui. On dit bravo au frère du Maroc, hein, franchement. Et on dit aussi bravo à leur grand frère, parce qu'il y a un grand qui est au milieu de sa mère et le jeune qui parlait là. C'est lui qui fait tout ce travail-là. On ne peut pas oublier de dire quelque chose. C'est avec le même gars qu'ils ont convaincu, que non, la belle, ça me manquait. Exactement. La partie est importante. Jusqu'à. On a mis ça met en doute en disant que ce qu'il disait n'était pas vrai. Oui. Bon, maintenant, j'appelle toutes les personnes qui ont dit ici que ce n'était pas vrai. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qui vient de se passer? Comment c'est pas ta copine? Comment? Toutes ces personnes, comment? Non, ma copine. Comment ça, ta copine? Il n'a rien à voir dedans. Non, elle a eu pitié, d'accord. Elle a promis au grand que je vais étouffer l'affaire. Donc, elle a voulu étouffer l'affaire comme le jeune-ci a dit que voilà, il a vu le grand en détresse, il est venu pour démentir, pour raconter une histoire qui ne tenait pas debout. Ah. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. Hein. Mais ça n'avait rien à voir, c'était sans rancune. Hein. Elle n'est plus dans cette histoire. Elle est passée, elle a dit qu'elle est passée en 2024. Elle n'est plus sur ça. Oui, moi, ça, ça veut dire que c'est une manière de dire qu'il faut voir les conséquences du témoignage. Du faux témoignage, il faut préciser. Faux témoignage. Et ça condamne. Ça condamne très grave. Maman Pépé, faux témoignage accepté quand même par le monstre en question. Oui, le monstre, ça dépend de ce qu'il allait dire. Faux témoignage, hein. Excuse-moi. Oui. Il n'était pas obligé de montrer le faux témoignage puisqu'il a voulu nous décrédibiliser en montrant le faux témoignage. Un faux témoignage. Bah oui. Alors que son image était déjà complètement... d'ailleurs, une image qu'il n'a jamais eue, en fait. Donc, parce que un moment, je dors, je me réveille dans ça.
Je dors, je me réveille dans ça. Quand elle fait le décryptage, tu as rien, ça sera la mort. Celui qui ne veut pas pardon ne vient pas. Je vous avertis déjà. Parce que ça veut le témoignage de Fatida là. Maintenant, je vais encore voir qui va se lever pour venir encore dire que non. Oh, non. Il va consommer non, sa sang. Fatiga, il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Il a demandé les excuses à tout le monde. Hein. Ma boss, je crois que tu étais dans le direct. Tu as écouté. Il a demandé les excuses. Hein. Bien sûr. Voilà. J'ai écouté. Il a demandé les excuses et il a dit le pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Hey, non, mais vraiment. C'est sale, c'est humiliant, c'est souillant. Non oh, ça, c'est pas... Le jour là. C'est juste. C'est souillant. Peut-être que le grand fait. Regardez-moi bien. Hein. Tu ne connais pas quand je suis dans une affaire. Bonsoir. Bonsoir, ma pépé. Bonsoir, ça va? Bonne année. Bonne année, ma mère chérie, tu es trop belle. Merci. Merci. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'intervention de Fadilala? Laisse-moi d'abord saluer ta bosse, elle est trop belle comme ma mère, maman. Oh, la mère. Merci de sa part. Maman Pépé. Oui. Sans indépendre que de moi, le débat est clos avec l'intervention de ce monsieur. Claro. C'est tout, c'est fini. Attends, ma fille, n'équipe pas. Le débat, c'est parce que nous, si on ça ne parlait que de moi. Vous ne parlez même plus de ce problème parce que le gars. Attends, Martin. Tout porte à croire qu'il couvre le grand frère et c'est visible. Voilà. Donc, pour moi, vous ne parlez même plus de ça. Et... Attends. C'est ça, non, madame Ami. Je pense que c'est ça, en fait. Ah, oui, parce que le gars, il a tout dit. Hein. Donc, voilà. Mais le gars a peut-être tout dit. C'est important pour lui. Quand même, parce que nous connaissons la vérité, hein, parce que nous connaissons la vérité, il n'empêche que ce personnage peut continuer à mélanger. Hein. Ça a failli même mélanger nos deux sœurs ensemble, parce que c'était quand même assez par rapport à cette histoire de tribalisme et tout. Donc, vous voyez, c'est... Ça a mis les gens, ça a mis la tête cassée les abeilles dans un doute. Mais bien sûr. Parce que moi, j'avais des retours, on me disait que oh, c'est grave là-bas, là. Moi, Pépé, je vais vous dire quelque chose. Moi, la sortie de ta copine, moi, elle a été incomprise. On a tout porté à croire qu'elle voulait couvrir l'affaire pour protéger le grand frère, quoi. Donc, tu vois, c'était pas pour vous discréditer ou quoi que ce soit. La sortie de Fleur était justifiée, mais sauf qu'elle était très incomprise. Elle a été manipulée par le grand frère. Non, je m'appelle plus Marc, Pépé. Je m'appelle maintenant. Si tu m'appelais Ma, tu dis que Ma Diamant Bleu. Diamant Bleu. Mon amour de diamant bleu. C'est ça en fait, ma pépé. Donc, tout ce que le. Moi, ce que je m'arrête de dire, c'est quoi, ma pépé? Même si ton ex-grand frère sort aujourd'hui pour appeler le gars de venir chez quoi que ce soit, moi à ta place, on a compris son jeu. Il faut le laisser tomber. C'est juste l'orgueil qui fait en sorte qu'il ne puisse pas sortir pour venir demander les excuses. Il est à terre. Et étant comme un grand frère, Madame Amélie, moi je souhaiterais qu'il reste tranquille, qu'il ne sorte même pas, qu'il ne fasse plus rien, parce qu'il est à terre. Les gens refusent de voir la vérité en face. Nous-mêmes, on voit la vérité. Nous ne sommes pas dupes, nous sommes allés à l'école. Ce ne sont pas des tonneaux vides qui sont sur les réseaux. Il y a certaines choses qu'il faut voir. Ce n'est pas parce qu'on dit, entre guillemets, que sa mère lui a fait quelque chose que la prochaine fois ne sera pas qu'on a vraiment voulu prendre son téléphone, quoi que ce soit. Même le premier jour que le gars est passé chez M. Messant, on savait que c'était quelque chose de monté. On savait la façon dont le gars parlait. Et même ce qu'il vient de faire là aujourd'hui, il a essayé de brouiller en te disant en bassin, en parlant, pour dire laisse, c'est parce qu'il ne peut pas. On a tout compris. Oui, il a dit ça en bassin, qu'il faut qu'on laisse tomber, c'est notre frère et tout. Les gens vont te traiter de haineuse ou quoi que ce soit. J'aime le nom là jusqu'à ça. Ça fait que les gens ont peur de moi. Je suis une haineuse mal. Donc, Pépé, moi, à ta place, en tant que ta fille, maman, ne sors même plus par rapport à ça. On va sortir. Vous avez gagné. Jusqu'à ce qu'il soit éradiqué. Quand même, pardon, laisse ma mère tranquille. Jusqu'à ce qu'il soit éradiqué des rues. Vous n'avez pas compris quoi. Moi, Pépé, j'ai envie de te dire une dernière chose avant de partir. Appelle-moi par le nom là et puis tu dis à dernière chose. Maman, sache que tu parles de moi. Merci. Et ouais, mais calme-toi, il y a quoi, Manian? Et qui est? Ma mère, tu es une belle personne. Merci. Tu es une belle âme. Merci. On ne tape pas poteau. Tu es des arbres qui ont de bons fruits, maman. Même si la terre se retourne contre toi 10 000 fois,
ne change pas ton caractère. C'est pourquoi je t'aime. Parce que tu es correcte. Une femme, c'est son caractère. Exactement. Voilà. Donc, ce que les gens disent, que oh, maman, madame, maman, travaille ton travail, tu es avec ton contrat. Madame Amélie est sur les réseaux sociaux, je l'ai toujours dit. Elle est sur les réseaux sociaux pour une chose, pour son travail. Aujourd'hui, on sait, dans le monde, la meilleure communication sur cette. Dans le monde, c'est les réseaux sociaux. Les gens disent qu'elle va prendre ta visibilité. Qu'est-ce que madame Amélie. Mais c'est ça le but. Maman, justement, je suis payée pour ça. Ouais, ma bosse. Après, elle, tu prends la parole, pardon. J'aime trop quand tu parles. Maman, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Nous, on a étudié ça. Vous aimez le Congo, ça, mais plus les gens qui sont. Mais laisse-moi tranquille. Il y a deux visibilités. Ta visibilité. La visibilité que madame Amélie cherche derrière toi, c'est une visibilité pour vendre. C'est pas une visibilité. Le problème, c'est quoi? Je peux intervenir. J'ai envie de dire aux gens, quand une dame comme ma boss, je vais prendre l'exemple sur elle parce qu'elle est là, paye mes services, c'est justement pour se faire plus connaître. Parce qu'on ne fréquente pas le même milieu, le même monde. Elle m'a appris beaucoup de choses. Grâce à elle, dans mon propre pays, j'ai eu de la valeur. Alors, si elle paye les services de faire, je ne suis pas Algérie, ça ce sont mes produits à moi, je ne suis pas Algérie, je suis, mon rôle c'est quoi? Elle me paye pour cette visibilité là. Tous les mois j'ai mon virement qu'elle me fait dans mon compte, tous les mois je suis, c'est-à-dire je n'ai pas mal à la tête. La première classe. La veille, maman, depuis que je suis née, je n'ai jamais pris la première classe. Mais quand moi, en première, quand je ne filme pas tout le temps, je ne me filme pas comment, je suis couché, je me filme. Je mange. C'est que j'ai pas, j'ai seulement filmé le dessin même. Parce qu'il y a un type qui était à côté là, j'avais un peu honte. Il allait dire que merde, c'est sa première fois de monter en première classe. Je voulais filmer tout. Même quand je suis parti faire pipi, je voulais filmer. Donc, c'est pour dire que. Même si elle l'a, mon but de dire que j'ai réussi, c'est qu'elle ait de cette visibilité-là. Parce que elle, si elle a cette visibilité, elle n'aura plus besoin de moi. Il me faudra un autre contrat. Elle pourra me conseiller à ses collègues, à d'autres personnes. C'est ça le but que vous ne comprenez pas. Et quand on voit que tu as été efficace dans un produit, on te lance encore sur un autre produit. Claro. Un bon travail. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle ne peut même pas expliquer la nécessité des produits. Je ne suis pas gérée pour ça. Je ne peux pas parler de ça. Je n'étais pas à l'école pour ça. C'est elle qui était à l'école pour ça. Non, j'ai c'est expliqué. Pour ça que je l'ai supplié que de temps en temps, elle doit organiser des directs où vous pourriez appeler, poser des questions. Qu'est-ce que le glutathione? Qu'est-ce que la vitamine? Exactement. En fait, pour clarifier ce que... Tu as compris, ma chérie, mon bébé. Très bien, mon amour, maman. Voilà. Elle n'est pas mon égérie. Elle n'est pas égérie de la marque Glutaline. Égérie d'une marque, ça veut dire que tu dois porter la marque sur toi. C'est-à-dire, tu dois, si c'est des cosmétiques éclaircissants, que tu aies une jolie peau qui respire la santé. Si c'est pour des... Voilà. Mais Compressor, ce n'est pas une égérie. C'est une ambassadrice humanitaire. Son rôle... au sein de mon entreprise, c'est de m'accompagner dans nos œuvres humanitaires à travers ce qu'elle-même elle sait déjà faire, ce que vous l'avez vu faire ici. Donc, elle n'a aucune obligation d'explication de quelque produit que ce soit. Donc, c'est simple à comprendre. Là, c'est et précise là, aussi là, que je t'embête souvent toute la journée parfois. Hein. Dès qu'on me dit que oh, je t'appelle, je te dis que ma boss, on dit qu'on veut savoir. Madame Amélie, je profite de ce live pour vous poser une question. Ma mère est hyper tendue et diabétique. Est-ce qu'elle peut consommer ça? Elle aussi, le mal gastrique. Oui, bien sûr. Elle peut consommer du glutathion. Si elle est hyper tendue, elle peut prendre de la vitamine C 3 fois par semaine. Mais le glutathion, c'est bon pour tout et pour tout le monde, homme comme femme. Et même quand même, ça améliore la qualité du spermatozoïde. Au cas où tu aimerais... Quand on parle de spermatozoïdes, c'est mon domaine, je connais bien le domaine. C'est pour cela que je me permets de... C'est toi qui ris, c'est toi qui ris, toi-même. Si tu veux,
Ma, on peut tester, non? Comme ça, il peut prendre les tests sur toi. Comme ça, on voit si ça marche. Et toi, comment, Mako? Moi, je suis la fille de ma pépé. Il ne connaît rien. Il veut te faire bavarder. Il veut que je bavarde. Donc, merci, ma chérie. Merci d'avoir posé les questions. Donc, en ce moment, tu as des remises via Maman Pépé. Voilà, le code promo. Donc, le code promo, c'est PERPÉ237. Ouais, Maman Pépé, on va commander, on va te soulever jusqu'au ciel. Voilà, donc, c'est très important que tu achètes au moins pour la maman. C'est très important. Je tiens à préciser, quand on a déjà ouvert, ça se conserve au frais. Tout à fait. Exactement. Ah, et puis surtout, quand vous n'avez pas encore ouvert, vous pouvez laisser comme c'est là. Mais quand c'est déjà ouvert, il faut conserver ça au frais. Oui. Vous avez la version en gélule aussi qui revient sur le site internet à partir de plein. Tu as un magasin à toi là. Envoie aussi pour mon pauvre village, non? Ma pépé, fais-moi des ça, mon amour, maman. Ok, ma chérie. Bisous, je t'aime très fort. Bonne année. Moi aussi, bisous. Quand tu montes, tu as monté comment? Bon. Donc, vous voyez du coup que le direct que le monsieur, le notre jeune frère qui a intervenu. Vous savez, dans la vie, comme on dit souvent, libre à tout un chacun d'acheter les problèmes des gens. Moi, j'ai acheté le problème de ce monsieur ici parce que je me disais que oui, bon, j'étais encore olé olé. Aujourd'hui, je suis une responsable. En plus, tu es en couple. Et je suis avec un monsieur qui n'est pas trop pour que je sois sur les réseaux. Mm-hmm. J'ai combattu, je me suis imposée. Mm-hmm. Il a validé. Mais là, tout à l'heure, quand j'ai commencé à 18h, il faudrait qu'au plus tard, 20h que j'arrête. Mm-hmm. Parce que les gens doivent savoir que avant les réseaux, il y a une vie. Mm-hmm. Et que ce n'est pas question de peur. C'est question de respect. Mais précise, j'ai oublié de te dire. Et que c'est quand que on vit en couple, il y a des principes. On rappelle aux gens que ce qui s'est passé au Maroc, ce n'est pas dans les réseaux, c'est la vie réelle. C'est vraiment réel. Nous avons demandé à Samé de rester dans la maison, de ne pas partir au rendez-vous. Pourtant, les personnes qui partaient voir comme Alex, c'était même pour le protéger aussi. Mm-hmm. Mais on lui a dit, pardon, ferme-toi dans la maison, ne pars pas. Ne pars pas. Parce que quand moi j'ai d'abord vu le post qu'on a fait pour dire que le 24 décembre, il y aura un bim sur la toile. Exactement. J'ai commencé à dire, aïe, quelle est la blogueuse qui va passer là-bas, qui va nous faire le bim? Oh, c'est qui? C'est elle. Donc c'était la tête de mon enfant qu'on avait mis à prix. L'homme machiavélique. Et vous ne voulez pas qu'on dénonce ça? C'est très grave. De quelque chose qui est parti sur la positivité. Hein? C'est-à-dire, on signe un contrat pour travailler entre nous, pour s'entraider entre nous. Et quelqu'un qui a un cœur noir sort de là-bas et fout la merde. Dans et le même communauté. Jour que je signe mon contrat, on me dit que comme tu as signé là, sache que tu vas être ma gérée. Mais voilà. Alors que je suis en train de signer un contrat, que nous sommes ensemble. Mais vous me dites déjà que sache que moi, je vais sortir pour moi. Tu vas travailler pour moi. Donc tu comprends que le poison était même là le jour de la signature de contrat. Hey! C'est ça, Amé, je ne mens pas. Hein. Attends, quand tu sais le contrat, il était là. Bah oui. Oui, c'était là tous. Tout le monde était là. Ok. On a déplacé le contrat. Il m'a imposé. Ça devait être un mercredi. Tu dois déplacer. On devait signer le contrat un mercredi. Et il m'a dit, nous devons être à Paris le week-end. Dis à compresseur qu'elle doit déplacer le contrat pour... Tu ne lui demandes pas. Vous, elle doit. Enfin... Et donc, on déplace au contrat. Et le jour du contrat, on demande à compresseur d'être l'égérie de cette marque qui des produits... Qu'on n'arrive même pas à expliquer. Des produits qu'on n'arrive même pas à donner la valeur des produits. Tu vois ta petite soeur en train de signer un contrat. Tu passes par derrière pour lui dire que ma petite soeur, n'est-ce pas, tu vas être mon égérie de ma marque qui vient dans 2 semaines. Si ce n'est pas la... Je te dis la mère, ouais. Quand même, c'était ça.
croyais que j'allais, ces gens-là allaient m'empoisonner là-bas chez eux, là-bas. Mais tu sais, compresseur, je t'ai dit que quand la marque du grand frère est sortie, pour qu'on ne dise pas qu'on a les problèmes, je suis allé prendre pour que les gens ne disent pas que oh, Ahmed Kamara encore prend avec son grand frère. Moi, par contre, moi, Ahmed, je ne te coupe pas, excuse-moi. Moi, je pouvais avoir les problèmes avec ma bosse parce que je n'avais pas le droit. Mais je l'ai fait. Elle a laissé parce qu'elle a dit que c'est la famille. Je n'avais pas droit. Dans mon contrat, je n'ai pas droit. Je n'en ai même pas parlé. J'ai vu le poste hein, que Compresseur avait mis sur sa page. J'avais posté. Je n'en avais encouragé. Parce que je me suis dit, oh, c'est pas grave. Moi-même, je suis montée sur un de ses lives, peut-être 10 jours, une semaine avant l'événement de Paris, sur son live à elle un matin pour l'encourager. Alors qu'ils étaient déjà en train de comploter et ils viennent nous traiter d'ingrats. Regardez-moi un satanique, un homme qui déterre les morts dans son village. Il vient lancer les eaux sur les petits frères, les petites sœurs ici en Europe. Hein? Ça m'a été reconnu. Non, on a fait ça en bas, ça vous soumet. Mais moi, je dis toujours, signer la pétition, elle doit aller loin pour que quelqu'un d'autre n'ait plus cette idée de pouvoir atteindre... Un appel masqué, hein. Appelez-moi appel normal. L'administration n'est plus ouverte à cette heure-ci. Ce sont ceux qui appellent sur un appel privé. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui m'a appelé un appel privé, là. Parce qu'il utilisait sa petite sœur et son soi-disant fils en esclavage. Mm-hmm. Tu sais, quand il est esclavage. Maman, le 24 décembre, est venue nous annoncer que sa mère est partie. Seigneur, le fils du bois. Elle n'a pas l'habitude de trimballer les gens avec des fouets à gauche, à droite, parce que tu penses que tu es le. Que... Donc, quand tes esclaves te t'échappent, tu deviens fou. Tu deviens fou. Si le contrat avec quelqu'un, tu pars derrière pour dire qu'il faut que ça soit ton. Oui, le même jour. Bien sûr, pardon. Le même jour là, oui. Tu devais faire ça. Le même jour. Et même pas que tu devais te payer. Tu devais faire ça en job. Mais oui. Qu'ils aillent d'abord payer les gens là-bas qu'ils ont pris d'abord pour leur faire les coupures de vidéos. Des vidéos. Coupures de vidéos et puis qui partagent leurs trucs là. On les a payés. On les a payés. On les a payés. Hein? Ils prennent les. Il dit que moi, tous les mois, mon RIB, dans mon compte, j'interroge sur mon téléphone, c'est versé. Ça ne choque de rien. De rien, je dis bien. D'abord, eux-mêmes, ils savent que c'est une white. Eux-mêmes, ils savent. Bon, maintenant, alors, comme on a fini la dame, ton mari va rentrer dans bientôt. Donc, Glouta, moi, je ne mange pas le plus. Là-bas, la nouvelle année. Oui, d'accord. Même les glutations que tu peux m'envoyer. Amen. 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 Tu as appelé à Mangdi, Amen. Vraiment, ce n'est plus la rigolade. Non, l'émission est finie, non. Thomas, tu as compris, non? 3 minutes. Il faut que le monde soit au courant de ce qui se passe. Nous pouvons être sur les réseaux. C'est vrai, on va souvent à l'extrême. Mm-hmm. Mais quand vous prenez vos téléphones là, oui. Vous dites que allez, faites-moi du mal à ce monsieur, prenez ce téléphone, donnez-lui une correction. Mm-hmm. C'est très dangereux. C'est pour ça que les gens doivent signer la pétition là. Allez, c'est très dangereux. Et de sur quoi on amène quelqu'un faire un faux témoignage, c'est très très dangereux. Exactement. Mm-hmm. Ne rigolons pas avec ça. Moi, je suis là pour dénoncer. Je m'en fous que ce soit mon frère, même père, même mère. Voilà. Je dénonce. J'aime la vérité. Ah ouais, et je dis merci au grand frère de ces deux garçons de Sam et comment il s'appelle l'autre là? Fajiga. Fajiga. Je dis merci à leurs deux grands frères, à leur grand frère qui a tenu à ce que la vérité soit établie. Parce qu'on connaît, demain, les gens qui sont dans le aide-moi détesté vont dire c'est faux, c'est nanani, c'est nanana, c'est nanana. On n'en a rien à foutre. Nous, on est dans la vérité. C'est le plus important. Exact. Nous sommes dans la vérité. Et pour ceux-là qui disent que
Ta boss, il faut qu'elle se calme un peu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous, peut-être, vous ne faites pas des directs. Amen. Mm-hmm. De toi à moi, quand tu fais un live et qu'on signale ton live, comment tu ressens ça? Non, tu as la rage. Tu as la rage. Il y a les mes lives, même aujourd'hui. Parce qu'on a rien de boycotter ton travail. En plus que, elle est en train de travailler. Elle n'est pas venue sur la toile pour chercher les amis, pour chercher des ennemis. Elle est venue travailler, elle travaille. Et ce qui est là, c'est qu'elle connaît son travail. Donnons à César ce qui appartient à César. Mmh. Tu crées une marque de cosmétiques. Tu ne sais pas donner la valeur de tes produits. Tu ne sais pas dire que ça, ça sert à ça. Tu mets ses mains, tu dis que regarde ma peau. Mmh. Regarde. Regardez comment. Mmh. Ça sent bon. Non, ce n'est pas ça le marketing. C'est pas comme parce qu'ils comptaient sur mon professionnalisme pour asseoir leur supercherie avec des produits médiocres. Mais ma boss, moi aussi, je compte sur toi. C'est pour ça que moi aussi, quand tu es dans mon live, comme ça, il profite, il fait ma pub et il te dit que tu peux nous expliquer. Mais on ne connaît pas. Moi, il dit qu'il ne connaît pas. Ça, c'est clair. Non, non. Moi, ce qui est bien, comme c'est clair. Moi, j'aime sur toi. Tu n'as jamais monté en première classe. Tu as vu. Maman, on a vu. Même comme on dit que je partais au pays avec le tchat, je n'étais jamais le tchat, alors je n'étais jamais parti en première classe, maman. Amen. Amen. Le matin, me saluait comme ça là. Maman, tu as entré avant tout le monde. Madame, je suis sûr que tu as attendu quand tu donnes la nourriture. Parce qu'en première classe, tu manges comme tu veux. On ne double pas. Je te parle que quand j'ai fini la première classe, D'en bas, dans l'avion, derrière, on m'a porté dans la. De tout, on m'a amené comme ça, là. Je ne m'étais jamais assise dans ce salon, déjà le salon. Tu es encore rentré avec les draps qu'on donne ce moment-là. Tu es rentré avec nous. Non, je ne pouvais pas. Je connais me comporter. Hein. Non, mais rentre. Amène-moi sur les Champs-Élysées manger. Non, tu vas voir comment je me comporte. Rentre son avec. Quand il... Si elle prend l'avion 15 fois, je suis parti avec les draps là 15 fois. De fois même, je prends pour le voisin et pas avec. Yeah, amen. Toi aussi. Maman, j'ai payé le billet 600 euros. Je paie le billet pour dormir. Non, et en plus, nous, quand on donne en classe économique, là-bas, ce n'est pas bien. On dirait les petits plats comme ça. Là. Et quand tu doubles même le fait, les gens. Là-bas, premier entrée de jeu. Une coupe de champagne, madame. Ma personne m'appelle déjà. C'est pour me dire que quand vous voyez ma paye, c'est qu'il est à 20h. Non, maman, papa, il faut y aller, s'il te plaît. En tout cas, Je veux couper là. Bon, amen. Tu nous lances le décryptage ou pas? On répète, je repasse ton live la partie où le gars a parlé là. C'est important que les gens comprennent. D'accord. Bon. Et puis, Je tiens à vous rappeler qu'il y a un code promo Perpé 237 pour avoir 15%, c'est ça? De remise. 15% de remise et à chaque fois que vous faites un achat sur le site internet, nous mettons 5 euros de côté pour les œuvres humanitaires à venir que Maman Perpé va décider parce que c'est elle qui décide des œuvres humanitaires qu'elle va faire dans les prochains mois et nous devons de l'accompagner justement dans ces œuvres humanitaires. Merci. Donc, ma boss. Perpé, c'est Perpé, P-E-R-P-E 237. Vous l'appliquez, vous avez moins 15% sur notre site internet, www.glutacosmétique.com. Et c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 31 janvier, donc vous avez tout le mois pour profiter de cette offre exceptionnelle pour aider Maman Perpé à évoluer dans ses œuvres humanitaires. Et sachez que je ne suis pas seulement là pour les débats comme ça, je suis aussi là pour mes œuvres humanitaires. Donc, vous devez savoir que c'est ça qui me tient à cœur, c'est ce que j'aime faire. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de aller vous abonner sur la page Glutalan et acheter, faites des cadeaux pour vos parents, vos sœurs qui ont des problèmes, qui, vous, les jeunes femmes qui mettez les crèmes éclaircissantes, où la peau n'obéit plus, pour régénérer votre peau, tout ça, allez-y, allez acheter. La vitamine est très importante aussi. Très pour vous. Très, c'est très, très important.
La tonicité dès le réveil, hein, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu as la pêche, tu as l'énergie, la tonicité. C'est excellent également parce que ça booste la régénération du collagène d'une manière naturelle. Et c'est un puissant antioxydant aussi qui travaille en synergie avec le glutathion pour justement optimiser la détoxification dans notre corps, tout simplement. Et ça permet également d'améliorer vraiment... par exemple, les articulations, la porosité osseuse. Et vous savez que la vitamine C, c'est excellent également pour les gens qui souffrent de SOT, notamment en Afrique. Tous nos produits sont des produits liposomaux, c'est-à-dire qu'ils sont assimilés vraiment à 100% sans perte dans l'acidité des intestins parce que les compléments lambda sont détruits dans l'acidité des intestins. Les nôtres ont été encapsulés pour permettre une meilleure absorption des intestins vers le sang sans aucune perte. C'est pour cela qu'on les appelle des compléments alimentaires liposomaux. Donc, faites confiance aux produits Glutalaine. Nous travaillons vraiment avec des formules de qualité, avec des laboratoires européens. Et nous avons les attestations de mise sur le marché, que ce soit en Europe ou d'ailleurs au Cameroun. Et nous continuons à travailler pour vous sortir les produits les meilleurs qui existent pour l'élévation de notre communauté. Tous parce que c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir. On a rétabli la vérité, c'est ce qui est important. Mais en tout cas, camarade, moi, je n'ai pas fini avec toi. Toi et moi, là. C'est pas là. C'est tout. Bisous là-bas. Bisous. Merci, ma boss. Bisous. Voilà. Donc, je vais dire ici à toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. Merci beaucoup. On a établi la vérité ce soir. Et comme j'ai dit tantôt, nous sommes venus en Europe en détail. Nous sommes venus en détail. Et j'ai envie de vous dire, ne faites pas du mal à autrui sans avoir raison. Je ferai un direct demain pour essayer de parler des personnes que j'ai offensées et des personnes qui m'ont offensé sur la toile. J'essaierai un peu de vous raconter l'histoire. Comme on dit, chaque fin d'année, il faut essayer d'établir certaines, de faire un point. Voilà, de faire un point. Je ferai un point demain. Alors, je vais dire comme ça, merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles, parce que quand il y a des personnes dans le direct, je ne peux pas voir qui m'a envoyé les étoiles ou pas. En tout cas, ce n'est pas important. L'important, c'est que je vous dise merci. Merci, que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles, que cette nouvelle année de 2024, que le Seigneur vous accorde toutes ses grâces. Que tout ce que vous désirez, que le Seigneur vous les accorde, comme c'est sorti, que ça entre, que ça ne reste pas à l'extérieur. Demain, il faut que nous ayons une conversation parce que j'entends, ça vient de gauche à droite, on dit que si ça m'essaye de faire une sortie, nanani, ce téléphone-ci, trop parler, c'est maladie. Ne tentez même pas. N'essayez même pas. D'accord? La corbeille. Parce qu'on est souvent, on efface les choses dans le téléphone, on oublie que ça passe conservé quelque part. N'essayez même pas. Je n'ai jamais fait ça. Mais si vous essayez de me faire le chantage, on ne me fait pas le chantage. Déjà, je fais la sortie demain. D'accord? Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Et bonne soirée à tout le monde. Bisous. Ciao.